Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en live. Alors, ça fait un petit moment que je ne vous avais pas proposé de live moi-même. J'en avais fait un accompagné sur la chaîne secondaire et un autre sur la chaîne principale il y a quelques semaines de cela. Eh bien, c'était l'occasion de nous retrouver pour deux occasions. Tout d'abord, aborder un sujet assez complexe, vous l'aurez compris, c'est dans le titre de l'émission, nous allons parler de Jésus-Christ en tant qu'archétype. Toute la symbolique autour du personnage, mais à côté de cela, nous fêtons également à quelques jours près les 8 années d'existence de la chaîne Arcana les Mystères du Monde. Donc je suis très content, 8 ans plus tard, d'être toujours là devant vous pour vous proposer des émissions, et j'espère que nous allons passer une bonne soirée ensemble. Alors un grand grand bonjour à vous tous sur le chat, je vois déjà aussi les modos qui sont là, un gros bonjour à toi Jaya, Mégalithique, et je n'ai pas vu les autres encore, ils sont peut-être pas loin, et bien sûr un grand bonsoir également à vous tous d'avoir prévu votre soirée pour ce sujet. Alors, évidemment, vous vous doutez, quand on parle religion, c'est toujours assez délicat, vous vous doutez. Alors, quelques petites mises en garde, bien évidemment, pour que cette soirée se passe dans de bonnes conditions. La première chose est que le but, évidemment, n'est pas de critiquer les croyances des individus ou les non-croyances de d'autres individus. Il ne s'agit pas pour moi de vous dire si Jésus est réellement Dieu incarné sur terre, si Jésus a réellement ressuscité, si Jésus a réellement accompli des miracles ou non, ceci n'est pas de mon ressort. Cela concerne la croyance des individus. Mon propos va s'articuler sur une enquête de nature historique sur certains aspects, philosophique, mythique, anthropologique et évidemment aussi ésotérique. Vous vous doutez bien. Avec quelques soupçons de théologie et autres, vous vous doutez également. Le sujet de Jésus, je l'ai déjà traité il y a 7 ans, il y a 7 ans et demi, 6 ans et demi plutôt pour être exact, où j'avais proposé une émission format documentaire un petit peu, de 40 minutes, où je traitais donc de Jésus de Nazareth, ou l'énigme Jésus de Nazareth entre mythe et réalité. J'avais dans cette première émission, qui accessoirement est la plus vue de la Web TV, donc c'est un sujet qui vous captive en l'occurrence. L'émission sur Jésus cumule à l'état un peu plus de 930 000 vues, donc à l'approche du million hein, tranquillement, donc ce qui quand même représente une sacrée réussite pour une vidéo de ma chaîne, vous vous doutez. Et donc dans cette première émission, j'avais abordé la vie, c'est-à-dire la vie historico-mythique du personnage, fait une petite enquête historique assez rapide pour voir la réalité ou non du personnage. Ensuite, nous avions dressé un portrait comparatif de Jésus-Christ, de ses principaux de son symbole de mort et de résurrection, en symbole aussi de sorte de nouveau soleil, si vous voyez l'idée, que j'avais comparé avec d'autres figures, et j'avais terminé cette première émission avec une analyse symbolique, astro-cosmogonique, si l'on veut, du personnage un petit peu en tant que symbole du nouveau soleil. Cette émission que j'ai faite il y a presque 7 ans, je n'ai pas tout à revoir dans cette émission, tout n'est pas à jeter. Il y a néanmoins quelques petites corrections à apporter, quelques petites améliorations que l'on peut faire, et l'émission de ce soir servira en partie notamment à améliorer certains de ces points, mais nous irons surtout beaucoup plus loin, bien entendu. Alors, n'attendons pas plus, on va attaquer le plan de l'émission. Juste une dernière petite information technique. Si vous avez des questions à poser lors de cette émission, vous pourrez bien évidemment le faire. Je réserverai deux ou trois phases de questions au cours de cette émission. Alors ne les posez pas forcément immédiatement, je vous informerai quand je prendrai les questions. Autre chose, pour ceux d'entre vous qui voudraient participer au chat, vous pouvez le faire, mais pour cela, il faut être abonné à la chaîne. Alors c'est gratuit, ça ne vous engage à rien, évidemment, mais si vous vous abonnez à la chaîne, vous pourrez, au bout d'une minute environ, pouvoir commenter dans le chat. Évidemment, je compte sur votre bienveillance, votre courtoisie, votre bienséance dans le chat pour que cette émission se passe bien. J'ai pour habitude, quand je traite des sujets religieux, qu'il y ait quelques escarmouches parfois dans les commentaires, et évidemment, si l'on pouvait s'en passer, ça serait fort agréable. Bien entendu. Un grand merci également à Mitzerev pour ton don actuellement sur le chat YouTube. Alors, on attaque. Le plan de la conférence de ce soir. Donc, trois parties, comme à l'accoutumée, une petite introduction, on l'a déjà plus ou moins faite. Quelques points où j'ai présenté l'ancienne émission. Donc, première partie, on va parler de l'archétype de Jésus-Christ à proprement parler. On va voir, l'idée ne va pas être
Oui, je vais vous exposer ça en introduction. Bon, première partie, on va traiter de l'archétype de Jésus-Christ. La deuxième partie, on va parler de l'archétype du Dieu sauveur. Et ensuite, en troisième partie, on va parler de l'archétype de l'homme-Dieu. Alors, vous pourrez me dire, oui, c'est plus ou moins tout le temps un peu la même chose. Eh bien, vous allez voir que justement, on va aller dans le détail du détail du détail dans chacune des parties. Et bien sûr, une conclusion, somme toute, tout à fait personnelle sur ce sujet. Une bibliographie que je mettrai a posteriori de l'émission, suivant les choses que j'aurai citées éventuellement. Donc, vous voyez un petit peu où ça nous emmène. Alors, le point important, le fil conducteur de cette émission, ça sera la notion des archétypes. Pourquoi ? Évidemment, je pourrais vous réciter la vie de Jésus d'après telle qu'elle est racontée par les évangiles, etc. Vous raconter toutes ses étapes, tous ses miracles, etc. Tout ce qu'il a fait, possiblement, dans le système de croyance chrétien. Néanmoins, ça je l'ai déjà fait dans l'autre émission, je n'ai pas pour ambition d'y revenir. Le but ne sera pas non plus de faire une enquête poussée sur l'historicité du personnage. On va en toucher quelques mots au départ, mais on ne va pas passer 3 heures à parler de l'histoire de Jésus au sens l'homme. On va s'intéresser à Jésus sur un plan archétypal, c'est-à-dire les principaux symboles qui ressortent, la notion de divinité solaire, la notion cyclologique, le concept de chemin de vérité qu'il représente, l'idée de porteur de connaissances, l'idée de Dieu rédempteur, l'idée qu'il rachète la faute originelle, qui donc rachète le péché de l'humanité et permet le salut, l'idée qu'il meurt et qu'il ressuscite. On va parler aussi de son rôle messianique à la fin des temps. On va également parler de ses pouvoirs, c'est-à-dire c'est possiblement un pouvoir de guérison, notamment de thaumaturgie. Donc c'est tous ces éléments centraux que l'on va étudier vers une autopsie du personnage, si je puis dire, et on va la comparer notamment avec d'autres personnages mythiques, religieux, des prophètes, etc., afin de voir si Jésus est une personne totalement unique dans son système archétypal, ou si inversement il partage des points communs conséquent avec d'autres personnages. Et au fur et à mesure de cette émission, on va comparer tout cela et voir les points de lien, les points de différence, etc. Tout ça. Je le redis encore une fois, le but n'est pas d'attaquer le personnage, possiblement dans un cadre de croyance, mais que Jésus soit Dieu, qu'il ne soit pas Dieu, ou qu'il ait existé ou qu'il n'ait pas existé, cela n'a aucune importance sur le plan de la symbolique et de l'archétype. Moi, ce que je vais étudier, c'est cela. Assez froidement, si l'on peut dire d'une certaine façon. Et j'espère que vous me comprenez. Alors, donc, nous poursuivons directement avec la première partie, l'archétype de Jésus-Christ. D'abord, la quête du Jésus historique, assez rapidement, parler des sources. Ensuite, la notion de fils de Dieu qui marche parmi les hommes. Ensuite, on va étudier la notion de celui qui souffre avec l'humanité, qui partage la souffrance de l'humanité. Ensuite, on va étudier le symbolisme solaire de Jésus. Et on terminera avec cette question un petit peu, Jésus de Nazareth contre Jésus-Christ. On commence directement avec la quête du Jésus historique. Quelles sont tout d'abord les sources sur Jésus ? Les sources, on en a plusieurs. On a évidemment les sources de nature religieuse, c'est-à-dire les évangiles, les 4 évangiles canoniques, les 3 synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, et le 4e, Jean. On a ensuite les épîtres, les actes des apôtres, etc., et tout un tas d'autres textes qui s'incluent dans un cadre religieux. Ensuite, on a lointainement, beaucoup plus tard, l'islam qui va reparler, enfin dans le Coran, de Jésus sous le nom de Issa, et puis évidemment, quand le christianisme devient une religion majoritaire, et mondiale, et bien évidemment les sources se multiplient, mais ce n'est pas des sources primaires qui datent du temps du Christ, bien évidemment. Donc on va faire un petit peu le bilan sur les sources à notre disposition, pour quadriller un peu le personnage. Alors, tout d'abord, les 4 évangiles canoniques. Ces derniers n'ont pas été composés du vivant, évidemment, de Jésus. Ils ont été composés a posteriori, vous vous doutez bien. Sauf qu'ils ont été composés, alors d'après les études historiques actuelles, le premier, le plus précoce, aurait été soit Matthieu, soit Marc, et il aurait été composé sensiblement à partir de l'an 65-70, voire 80 dans certains cas. Et le plus tardif, c'est-à-dire l'évangile de Jean, aurait été composé sensiblement entre 80, 110, 120, puisqu'on considère qu'il est conçu en 2 temps, en l'occurrence. Donc, ces évangiles, ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est qu'ils ont tous été composés en grec, probablement dans les centres qui étaient à l'époque Antioche et Éphèse, donc des lieux où la présence de la culture grecque était très importante. Donc, il y a au minimum entre 20 et 30 ans entre la rédaction des premiers évangiles et la mort, possiblement, de Jésus-Christ.
Alors, dans tous ces évangiles, on va retrouver tous les éléments de la vie de Jésus. Hein. Comprenez, il y a des différences. Les évangiles ne racontent pas tout à fait exactement la même chose, mais il y a un schéma commun, si l'on peut dire, qui dresse un petit peu le portrait. Disons qu'ils se complètent entre eux, mais il y a parfois des petites incohérences, des petits fourchages, si l'on peut dire, entre les évangiles, et notamment avec celui de Jean, hein, qui est largement plus tardif, et qui a une approche beaucoup plus mystique, si l'on peut dire. Autant les trois premiers, les trois synoptiques, sont un peu pratico-pratique, on raconte les grands événements de Jésus, c'est un peu un catalogue d'événements, alors que celui de Jean prend part d'enseignements beaucoup plus mystiques, encore une fois, et ne se concentre que sur quelques passages très ciblés du personnage de Jésus, en l'occurrence. Mais, vous l'aurez compris, tous les événements principaux de la vie de Jésus se trouvent dans les évangiles. Maintenant, les autres sources. On a les apocryphes. Alors les apocryphes, c'est quoi? Ce sont des textes qui ont été composés, sensiblement à partir fin du 1er, principalement au 2e et au 3e siècle. Ce sont des évangiles ou des textes donc religieux chrétiens, mais qui ne sont pas reconnus dans le canon de l'Église catholique, notamment ni orthodoxe ni protestante d'ailleurs, mais néanmoins ce sont des textes qui abordent les mêmes sujets centraux de la vie de Jésus. Alors, pour en citer très rapidement quelques-uns, on a par exemple l'évangile de Pierre, l'évangile de Judas, l'évangile de Thomas, ou encore l'évangile de Nicodème. Alors chacun d'entre eux va apporter des petits détails supplémentaires, mais parfois alternatifs. Alors notamment, on a l'évangile de l'enfance de Thomas, qui raconte des événements de la petite enfance de Jésus, ce qui n'apparaît pas dans les évangiles canoniques. Autre exemple, par exemple, on a dans l'évangile de Judas, un message qui nous dit que bah, en fait, Judas, présenté comme un méchant, un traître, celui qui trahit Jésus pour de l'argent, ce qui va le conduire à la passion et à la crucifixion, et bien dans l'évangile selon Judas, celui-ci est présenté comme un gentil, il n'aurait pas eu le choix de trahir Jésus, c'est Jésus qui lui aurait demandé de le trahir pour que s'accomplisse toute la suite d'événements, etc. Donc, vous voyez que ces évangiles parlent aussi de Jésus, mais ne racontent pas toujours tout à fait la même chose, bien entendu. Je vous réserve un cycle d'Académia de 3 émissions où nous parlerons spécifiquement des évangiles apocryphes, donc évidemment j'aurai l'occasion de développer tout cela. Ensuite, au-delà des sources évangéliques, on a l'islam, beaucoup plus tard, qui parle de Jésus. Alors évidemment, vous doutez, le Coran a été composé au cours du 7e siècle de notre ère, donc de ce fait, c'est 6 siècles et demi après les événements, qui reprend de ce fait les informations contenues de les évangiles, et de ce fait, évidemment, vous comprenez que ce n'est pas une source historique de premier plan, c'est une source de 3e génération, voire 4e génération, et de ce fait, on ne peut pas prendre les informations au premier degré, mais elles reprennent tout simplement les éléments des évangiles, mais en le mettant dans une perspective islamique, avec donc quelques variables sur l'interprétation. Le personnage n'est pas présenté comme étant Dieu incarné, il est présenté comme un prophète, élu par la volonté divine, qui aurait, lui, dans le cas de l'islam, aussi bénéficié d'une conception virginale, donc sans conception physique si vous préférez, néanmoins ce n'est pas un dieu. Et ensuite, il n'aurait pas été crucifié, c'est-à-dire qu'en fait il y aurait eu une intervention divine, il y aurait une image de lui, un eidolon qui aurait été placé sur la croix, mais le véritable Jésus aurait été pris pour être emmené au paradis et reviendra à la fin des temps. Voilà, c'est des petites variables dans le récit, vous avez compris qu'on reprend le schéma, mais en mettant les variables suivant la volonté religieuse nouvelle. Au-delà des sources religieuses, donc, nous avons également quelques sources historiques. Alors ces dernières sont extrêmement importantes, puisque ce sont les seules que l'on peut considérer permettant de valider l'existence historique de Jésus de Nazareth. Comprenez que si on se limite uniquement aux sources religieuses, de ce fait, Jésus n'a pas plus de réalité que le demi-dieu Persée, Héraclès ou le dieu Asclépios. On est basé sur la bonne foi d'un texte religieux. Donc vous doutez que les sources historiques sont fondamentales. Alors celles-ci ne sont pas légion. Néanmoins, petite information fondamentale, évidemment, quand je vous présente les sources historiques qui présentent la vie de Jésus, je ne prends des sources que proches des événements. Je ne vais pas m'amuser à prendre toutes les sources qui datent de la fin du 2e siècle, par exemple, et qui sont 80-100 ans après les événements, à un moment où le christianisme est déjà largement répandu. Là, on ne prend que les sources qui sont contemporaines des événements, ou immédiatement après, si vous voyez l'idée. Et elles ne sont objectivement pas nombreuses. On a quatre principales. Tout d'abord, Flavius Joseph. Alors, c'est un historien juif du 1er siècle
qui a écrit deux ouvrages et notamment cite Jésus dans notamment les antiquités judaïques. Il nous dit, il nous parle d'un personnage qui aurait été d'une grande sagesse, qui aurait été crucifié sous les ordres de Ponce Pilate et qui aurait été vendu par ses contemporains, comprenez les autorités juives de l'époque. Alors Flavius Josèphe est un juif mais largement romanisé, qui écrit cela quelques années après les événements. Donc il parle d'un personnage qui s'appelle Jésus, précisons-le. Certains considèrent que les écrits de Flavius Josèphe ont été modifiés a posteriori pour y ajouter ces mentions de Jésus spécifiquement. Bon, je laisse ce débat aux historiens, mais disons que c'est une source qui est néanmoins intéressante à prendre en compte avec les autres. Alors, Tacite nous parle, donc historien romain du 1er siècle, mentionne Jésus dans ses annales. Il décrit l'exécution de Jésus sous le règne de l'empereur Tibère, exécuté par le préfet Pilate. Suétone, un autre historien romain, fait une brève mention de Jésus, mais il ne l'appelle pas Jésus, attention, il l'appelle Christus. Et il parle de ce personnage pour dire qu'en fait il y a des désordres dans l'Empire romain à cause des disciples de Christus. Ensuite on a Pline le Jeune, toujours auteur romain, qui parle du culte du Christ, qui est considéré comme un dieu par ses disciples. Alors vous comprenez que ces sources sont relativement sommaires. Alors, plusieurs hypothèses à cela. La première est que Jésus de Nazareth, comprenez le personnage historique, a une existence réelle. Il a eu un groupe de disciples, les apôtres et les premiers chrétiens, grossièrement, et que, évidemment, c'est à ce moment-là que ça a fait parler d'eux. Pourquoi ? Alors, on peut invoquer souvent, oui, mais oui, il n'y a pas beaucoup de sources de Jésus, quand même, avec tout ce qu'il a fait, etc. Comprenez qu'on est sur des événements, en réalité, très localisés, même dans le cadre évangélique. De ce fait, c'est normal, assez logique même que les auteurs romains et grecs de l'époque ne pensent spécifiquement parler de Jésus. En revanche, dès qu'il y a les premiers chrétiens et qu'il y a un peu de désordre, un peu de tapage, évidemment, là, les auteurs romains vont s'emparer du sujet et le citer un petit peu. Mais vous comprenez que ça prend du temps à se diffuser. Le christianisme n'est pas tout d'un coup apparu comme une révolution planétaire. Au début, c'est extrêmement localisé. Donc, l'absence de sources peut s'expliquer en partie pour cela. Il y a un domaine qu'on appelle la quête de l'historicité de Jésus, de nombreux historiens travaillent sur le sujet, il y a plusieurs phases dans la recherche, et aujourd'hui, on va dire, grosso modo, une bonne part des historiens considèrent qu'il y a un personnage historique du nom de Jésus, et qu'il a prêché une nouvelle religion en tant que prophète, bien entendu. Il y a néanmoins des historiens qui contredisent cette hypothèse en disant que les sources sont trop fragiles. Bon, à titre personnel, je crois à l'historicité de Jésus en tant que personnage, comprenez-le. Néanmoins, je ne vous propose pas une réponse absolue et, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le sujet global de cette émission. Donc, allons plus loin. La question du tombeau de Jésus, pour finir un petit peu sur cette partie, c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler, hein. Il y a eu un documentaire qui a été fait, un tombeau, celui de Talpiot, aurait été retrouvé il y a quelques années, et on a retrouvé des éléments qui suggéraient Jésus, fils de Joseph, etc., quelques éléments qui pourraient potentiellement correspondre au tombeau du Jésus historique. Alors c'est une affaire qui fait toujours débat, il y a des critiques, il y a des partisans, il y a des adversaires, donc pour ceux que cela intéresse, je mettrai des sources a posteriori, pour ceux qui en voudront en savoir plus. Cette question est néanmoins fondamentale, vous doutez bien, puisque si on analyse le lieu et qu'on définit que l'un des personnages enterrés ici est le corps du Jésus historique, eh bien du coup ça mettrait à mal la croyance de la résurrection. Donc vous comprenez que cette question est très 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 épineuse, puisque évidemment si y a un tombeau, à la limite pourquoi pas, mais s'il n'y a pas de corps, la résurrection est possible, s'il y a un corps, ça pose évidemment problème. Vous voyez l'idée. Allons plus loin. Maintenant, on va parler de la notion du Fils de Dieu qui marche parmi les hommes. Tout d'abord, le statut de Fils de Dieu pour Jésus dans les évangiles. Je ne vais pas vous citer toutes les sources que je note, vous pourrez a posteriori faire des pauses dans l'émission pour consulter les sources. Je vous en cite deux pour l'exemple. Par exemple, dans l'évangile selon Marc, on nous dit que Pierre déclare sa foi en Jésus en disant « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant ». On a un autre extrait dans l'évangile de Jean, par exemple, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Donc cette notion d'omniprésence, de présenter Jésus comme étant le Fils de Dieu, est très, très, très important, puisque cela lui donne, vous l'aurez compris, une légitimité. Jésus historique n'est pas un personnage quelconque, il est présenté comme étant le Fils du Tout-Puissant, au sens Dieu unique, et de ce fait, il est légitime pour prêcher une parole de vérité,
puisque, évidemment, il la reçoit symboliquement de son Père, qui est le Dieu unique. Néanmoins, au-delà de ce premier constat et des différentes sources, on peut constater qu'il y a des cas précédents qui correspondent plus ou moins à la posture de fils de Dieu incarné. Pour citer deux exemples, on peut prendre Héraclès et on peut prendre par exemple Bellérophon. Alors, le cas des deux milieux dans la mythologie grecque est évidemment extrêmement conséquent. Je m'explique un petit peu l'idée. Alors, encore une fois, je ne suis pas là pour heurter les croyants, mais pour faire une analyse froide du concept. Jésus est présenté dans les évangiles comme étant le Fils de Dieu incarné sur terre. C'est la puissance divine qui a engendré l'enfant en Marie sans conception physique. Donc c'est un acte magique, un miracle si vous préférez, qui donne naissance à Jésus. Or cela n'est pas unique. On a par exemple la naissance de Persée, demi-dieu grec. Alors comment ça se passe? Danaé, sa mère, a été emprisonnée dans une tour par son père parce qu'il veut surtout pas que les hommes s'approchent d'elle, etc. Tout ça. Donc Zeus va venir à elle, mais sous la forme d'une pluie d'or. C'est donc un acte magique, un miracle, très vulgairement, qui fait que Danaé tombe enceinte et donne naissance à Persée. Persée est un demi-dieu, né d'un parent humain, Danaé, et d'un parent divin, Zeus, le roi de l'Olympe. Donc, Persée n'est pas tellement différent de Jésus. Et je ne suis pas le premier à le dire, vous doutez bien. Déjà au 4e siècle de notre ère, Justin Martyr, un théologien chrétien, expliquait aux païens « Mais quand vous dites que Persée est le fils de Dieu, ce n'est pas différent de Jésus-Christ. Acceptez Jésus en tant que fils de Dieu, c'est la même chose que Persée. » Voilà tout simplement ce qu'il disait. Alors ensuite, la notion d'Héraclès. Alors Héraclès, on a une femme humaine et les conditions sont toujours un petit peu magiques, un petit peu divines, mais Héraclès est encore une fois un demi-dieu. Il paraît le parent divin, le parent humain, et puis plus tard, au cours de sa vie, il va même avoir une ascension céleste, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Donc tout ça pour vous expliquer que dans les cas antiques, cela est déjà présenté à peu près de la même façon. Ensuite, on a le concept des avatars dans l'hindouisme. Alors là, j'en ai pris deux, j'ai pris Rama et Krishna. Dans les deux cas, ce sont des avatars du dieu Vishnu. Alors, comment ça se passe dans l'hindouisme? Dans l'hindouisme, il y a une trimurti divine, trois divinités principales qui sont le Brahma, Shiva et Vishnu. On peut dire que Brahma est une sorte un peu dieu, le dieu global, si l'on peut dire, un petit peu à l'origine et sans début et sans fin, qui n'est pas vraiment vénéré. On a Shiva qui est le créateur destructeur et Vishnu qui prend le rôle un petit peu du père. Si on faisait un comparatif, c'est un peu l'équivalent du père dans les religions chrétiennes. Il est lié un peu le dieu sauveur de l'humanité, le dieu bienveillant. Sauf que c'est un dieu, il vit dans les cieux. Alors quand il veut agir, il ne le fait pas directement, en fait il se projette dans la matière, il s'incarne de façon terrestre avec ce qu'on appelle des avatars. Donc vous avez compris, Rama ou Krishna par exemple, c'est bel et bien le dieu Vishnu en personne incarné sur terre. Et en ce sens, ce n'est pas différent du concept de Jésus. Souvent, les adversaires du christianisme disent « Oui, mais comment Dieu peut s'incarner sur terre? En fait, vous vénérez deux divinités. » Mais la Trinité chrétienne nous dit bien que Jésus n'est pas un enfant de Dieu séparé de lui, mais il est bien Dieu lui-même, au sens incarné sur terre. Et là, on a le même concept que les avatars de l'hindouisme. Donc, on peut faire un rapprochement entre les deux. Vous aurez compris l'idée. Alors, ensuite, on a le concept de naissance miraculeuse dans les autres traditions. Je vous ai déjà cité, en l'occurrence, le cas de Danaé, qui va naître d'une pluie d'or, donc comprenez sans conception physique par un acte magique ou miraculeux, mais on pourrait citer de la même façon le cas d'Horus, en Égypte, qui est plus ancien pour le coup. Alors, racontons un petit peu cette histoire. Comment ça se passe? Alors vous allez me dire, bah oui, mais Horus, il a un papa et une maman, Isis et Osiris. Oui, sauf que Osiris, qui était le souverain régnant au sens divin en Égypte dans les temps anciens, a été assassiné par Seth et ses conspirateurs. Donc Seth emprisonne Osiris dans un sarcophage, il le jette à la mer, Osiris se noie, Osiris est mort. Ensuite de cela, Isis retrouve son corps, elle tente de le ranimer. Seth interrompt l'affaire, découpe le cadavre en 14 morceaux, les jette un peu partout. Isis, accompagnée de Nephthys et Anubis, va réussir à récupérer tous les différents morceaux du corps d'Osiris, sauf un, en l'occurrence, le phallus. Retenez, c'est très important. Seul manque le phallus, qui est nécessaire en général pour les actes de conception physique. Je ne vous apprends rien. Donc, le corps d'Osiris est recomposé, il manque l'objet utile, et donc là, Isis, avec sa magie, réanime le corps d'Osiris, mais surtout, elle s'unit à lui. Mais comprenez que quand on dit qu'elle s'unit à lui, ce n'est pas au sens physique en réalité, c'est au sens magique, au sens spirituel ou au sens métaphysique. Et c'est là qu'elle conçoit Horus. Donc Horus est bel et bien composé d'une façon magique
ou miraculeuse. Et en ce sens, ce n'est pas différent de Jésus. Voyez l'idée. Évidemment, on a dans les deux cas affaire à des dieux sauveurs, mais on sera amené à y revenir. Allons plus loin, avec le deuxième point. Un deuxième attribut de Jésus archétypal qui est très important, c'est la notion du fait qu'il souffre avec l'humanité. Comprenez qu'il partage les souffrances de l'humanité. Alors, le premier point, c'est la notion de la passion du Christ, le moment suprême où il va souffrir avec l'humanité. Quand Judas Iscariote, l'un des 12 apôtres, trahit Jésus en le livrant aux autorités juives en échange de 30 pièces d'argent, il identifie Jésus en le saluant par un baiser. Évidemment, c'est une souffrance par le sens de la trahison. Jésus fait l'expérience de la trahison via le personnage de Judas. Dans notre passage, Jésus portant sa croix marche vers le lieu de sa crucifixion appelé le Golgotha. Il s'effondre plusieurs fois sous le poids de sa croix et Simon de Cyrène est contraint à l'aider Jésus à porter sa croix. Alors là, ce n'est pas l'expérience d'une souffrance, enfin si, la souffrance de la croix et des péripéties, mais c'est aussi la souffrance de l'amitié, du sentiment de bienfait que quelqu'un d'autre nous apporte, le réconfort si on peut dire, et toutes les étapes de la vie de Jésus vont marquer tout un tas de sentiments humains. Donc comprenez qu'au-delà de la simple notion de partager les souffrances de l'humanité, Jésus, Dieu incarné, enfin le Fils de Dieu sur Terre, va pouvoir faire les expériences de ce qu'est la condition d'un être humain. Tous les sentiments, en bien ou en mal, les joies, les peines, la haine, la colère, la souffrance, la douleur, l'abandon, tout ce que vous voulez. Donc, c'est quelque chose de totalement original, peut-on dire, un Dieu qui partage les souffrances humaines. Eh bien, là encore une fois, oui et non. On peut citer encore une fois l'exemple d'Osiris dans la mythologie égyptienne. Osiris est un dieu, certes, mais néanmoins, la cour divine de l'Énéade en Égypte ressemble quand même largement à une cour humaine. Et il fait l'expérience de la trahison, il fait l'expérience de l'amour, il fait l'expérience de l'adultère, il a une maîtresse et tout un tas de choses, il a des enfants un petit peu différents, donc en réalité, la cour divine des dieux d'Égypte, ça ressemble quand même beaucoup à l'humanité. De plus, Osiris va partager la souffrance des humains par l'acte qui lui est réservé par son frère. Néanmoins, c'est une comparaison que je vous l'accorde, est assez lointaine, mais on peut faire un comparatif. Ensuite, un peu plus conséquent, on a Prométhée, le titan qui défie les dieux. Alors, Prométhée partage-t-il la souffrance des hommes? Oui et non. On peut l'interpréter, en fait, encore une fois, de deux façons. La première chose, c'est que Prométhée ne vit pas une vie terrestre. C'est un titan. Après tout, il ne partage pas le commun des mortels, des humains. Néanmoins, il se prend d'affection pour les humains, il ressent la souffrance des humains, et c'est pour cela qu'il décide de leur venir en aide. Pourquoi? Eh bien, dans les temps anciens, dans la mythologie grecque, l'humanité vivait dans le froid, avec des conditions particulièrement horribles, et de ce fait, un jour, Prométhée, qui se prend d'affection pour les humains, décide de voler le feu céleste, risquant sa peau pour cela. Il voit le feu céleste, il le porte aux hommes. Alors évidemment, sur le symbole immédiat, on peut dire, bah oui, c'est simplement le feu, au sens, ça va permettre de se réchauffer, etc. Mais en fait, ceci est une allégorie pour parler du feu divin, au sens la connaissance. Donc en fait, Prométhée est la divinité, le titan, qui apporte la connaissance aux hommes. Munis de cette connaissance, les humains vont pouvoir accomplir tout un tas de choses et s'émanciper de leurs conditions, évidemment. Prométhée va payer cher sa trahison envers les dieux, le fait d'avoir volé ce feu divin, il sera enchaîné sur un gros rocher pour l'éternité, avec un oiseau, un aigle, qui lui dévore le foie, sauf que pire que cela encore, le foie repousse perpétuellement et l'oiseau lui becte le foie perpétuellement. Donc une souffrance qui est largement à la hauteur du Golgotha et de la passion de Jésus-Christ, vous en conviendrez. Allons encore un peu plus loin. Nous avons le cas très intéressant de Avalokitesvara, Bodhisattva de la compassion, que vous connaissez peut-être sous le nom de Guanyin en Chine ou encore Kanon au Japon. J'ai proposé il y a quelques mois de cela une émission spécifique sur Guanyin Avalokitesvara pour ceux d'entre vous qui voudraient en savoir plus. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'un Bodhisattva? Un Bodhisattva, tout d'abord, à l'origine, c'est un humain, comme vous, comme moi. Dans les croyances bouddhistes, un bodhisattva, c'est un être humain qui a atteint le chemin de l'éveil, mais qui décide de ne pas rejoindre le nirvana pour rester à proximité des humains, pour les aider dans leur chemin d'éveil. Donc il y a un acte altruiste de bienveillance et de compassion à l'égard des humains, dans le statut de bodhisattva. Mais comprenez, un bodhisattva, ce n'est pas un dieu, au sens chrétien ou au sens musulman du terme, mais on peut faire un comparatif avec la notion des dieux antiques, si vous voyez l'idée. Alors, Avalokitesvara, dans la légende chinoise de Guanyin plus précisément, c'est un personnage qui va endurer les souffrances de la vie humaine, qui va les partager, qui va prier pour les humains,
qui va se sacrifier pour sauver son père en se mutilant un œil et se coupant un bras. Donc, encore une fois, la vie de Miao Shan, avant qu'elle ne devienne un bodhisattva, n'a rien à envier à Jésus et à la passion. Qu'on soit bien d'accord. Je vous renvoie la vidéo pour les détails. Et ensuite de cela, elle va devenir et s'éveiller en tant que bodhisattva pour partager la compassion de tous les humains. Donc on est sur une figure qui partage encore une fois les souffrances de l'humanité, puisqu'elle déjà elle est humaine et elle fait un chemin en ce sens. Allons plus loin, on aura à revenir sur ce personnage pour parler cette fois-ci de la symbolique de Jésus en tant que divinité ou archétype de Dieu solaire. Jésus tout d'abord, est-il à proprement parler une figure solaire? J'ai fait une académia il y a quelques mois de cela aussi sur spécifiquement la notion de culte solaire, où je vous y renvoie pour spécifiquement étudier ce sujet, mais de façon immédiate, la réponse est oui. Jésus est par essence ce que l'on pourrait appeler une divinité solaire. Encore une fois, je prends quelques réserves en parlant, je comprends que dans le cadre de la croyance chrétienne, on peut considérer que Jésus n'est pas un dieu solaire, au sens il est le Dieu incarné et puis c'est tout, il n'y a rien à voir de plus. Néanmoins, si on fait un comparatif anthropologique, on peut considérer quand même que Jésus partage de nombreux points de correspondance avec les divinités solaires des temps anciens ou même de certains archétypes de d'autres religions. On va voir cela. Tout d'abord, Jésus a une symbolique solaire dans ses représentations symboliques et les calendriers qui lui ont proposé. Jésus se retrouve baptisé, le début de son ministère, par Saint Jean le Baptiste. Or, la fête de Saint Jean le Baptiste se retrouve au moment du solstice d'hiver. D'ailleurs, je me suis fait une petite erreur sur la diapositive, puisque j'ai mis solstice d'hiver en dessous des deux personnages, mais c'est solstice d'été en dessous de Saint Jean Baptiste. Donc Saint Jean Baptiste baptise Jésus au moment du solstice d'été, le moment où le soleil rayonne de sa toute puissance, et le Saint Jean l'évangéliste est fêté quelques jours après le solstice d'hiver, qui est le moment symbolique de la naissance de Jésus, mais qui est dans le chemin du soleil, le moment de la naissance de la mort du vieux soleil, et de la naissance du nouveau soleil, le Nova Éole. Donc Jésus s'incarne un petit peu entre ces deux figures des deux Jean, et on peut considérer que la vie de Jésus s'apparente à un cycle du soleil. Dans la mythologie égyptienne, vous savez que vous avez le cycle du soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest, qui matérialise la vie et la mort du soleil. Eh bien, Jésus reprend cet archétype dans sa symbolique, bien entendu. Mais on peut aller beaucoup plus loin que cela, avec l'idée de la naissance du nouveau soleil. Donc Jésus, je vous rappelle, on considère dans les traditions catholiques qu'il prend naissance au 25 décembre, c'est-à-dire 3 jours après le solstice d'hiver. Or, dans les temps anciens, et même dans les temps très anciens, le moment du solstice d'hiver était déjà vénéré depuis très 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 longtemps. Par exemple, à Gossec, en Allemagne, vous avez un sanctuaire, un temple ancien, qui est un peu comme les sites mégalithiques, sauf qu'il était fait de bois, où dans ce lieu avaient lieu des célébrations pour célébrer le nouveau soleil, la naissance du nouveau soleil, qui avait lieu, évidemment, au solstice d'hiver. Pourquoi ? Eh bien, avant, le soleil est au plus bas de sa puissance, c'est la mort du vieux soleil, et un nouveau soleil va croître et grandir pour arriver au fait de sa puissance au solstice d'été. Donc, on a célébré de tout temps ce lieu. C'est valable à Stonehenge, c'est valable à Gossec, c'est valable dans tout un tas de lieux à travers le monde, donc on n'a pas attendu Jésus pour célébrer le symbole de la naissance du soleil au moment du solstice d'hiver. Mais, évidemment, pourriez-vous dire, oui, mais Jésus, il naît 3 jours après le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, il a lieu le 21 ou le 22, en général. Sauf que, en réalité, eh bien, à peu près au début du XVIe siècle, on a changé de calendrier. Avant, dans l'Europe occidentale, on avait le calendrier julien, qui datait de l'Empire romain, et puis on est passé au calendrier grégorien, afin de corriger un petit peu les décalages temporels. Eh bien, voyez-vous, lors du calendrier julien à la période de l'Empire romain, eh bien, le solstice d'hiver, il tombait sur le 25 décembre. Donc en réalité, c'était bel et bien la bonne date à l'époque, sauf qu'avec les décalages et le temps et le changement des calendriers, eh bien la petite histoire s'est décalée de 3 jours. Mais à l'époque, la naissance de Jésus au 25 décembre correspondait bien au solstice d'hiver. De plus, Jésus n'est pas le seul dieu qui naît au solstice d'hiver, c'est également le cas possiblement de Dionysos et surtout de Mithra, le Sol Invictus. Et pour cela, voyons justement les fêtes
qui célèbre la naissance du soleil invaincu, ou du nouveau soleil, ou de Jésus. Au solstice d'hiver, on fête évidemment Noël, la naissance de Jésus. On fête dans le mithraïsme, le Sol Invictus, la naissance ou le rayonnement de Mithra. Dans le zoroastrisme, on fête Shab El Yalda, la naissance du nouveau soleil. Chez les Celtes, c'est la fête de Yule. En Scandinavie, c'est Yol, la naissance du nouveau soleil. Et en Chine, on fête la fête de Dongzi, en l'occurrence. Mais les symboles solaires de Jésus continuent, avec toute une liturgie calendaire. Par exemple, au moment de l'équinoxe de printemps, un petit peu plus tard, on célèbre la Pâque, c'est-à-dire la mort et la résurrection symbolique de Jésus. Au solstice d'été, évidemment, c'est les fêtes de la Saint-Jean, référence à Saint-Jean le Baptiste. Aux équinoxes d'automne, c'est la fête des moissons. On pourrait également citer un petit peu plus tard la fête de tous les saints, etc., mais qui intervient quand même plus tard. Ce que vous conviendrez surtout, c'est que toutes ces dates de célébration, donc des solstices et des équinoxes, sont révérées dans à peu près toutes les religions et toutes les traditions de la planète, et le christianisme ne fait pas exception, au sens que Jésus soit véritablement Dieu ou ne le soit pas, cela n'a pas beaucoup d'importance. En revanche, ce que l'on constate, c'est que Jésus reprend à son compte, dans sa symbolique, le calendrier d'un dieu solaire. Et ça, c'est fondamental, et surtout, c'est archétypal. Alors, en allant plus loin, on peut faire une autre comparaison beaucoup plus directe avec les 12 travaux d'Héraclès. Alors, vous savez tous, Héraclès, lui aussi fils de Dieu, au sens de Zeus, et d'un parent humain, donc une sorte de demi-dieu. Eh bien, Héraclès, bien avant d'être élevé à la divinité complète, il va devoir accomplir des travaux, 12 travaux. Eh bien, évidemment, vous aurez compris la correspondance. Cela correspond aux 12 voyages du soleil dans les signes du zodiaque ou les 12 mois de l'année, les 12 épreuves, afin que Héraclès puisse, dans la 13e épreuve, qui est sa mort, pouvoir accéder à l'ascension céleste. Donc, Héraclès est lui aussi une divinité solaire, mais beaucoup plus importante, par exemple, que Apollon ou Hélios. Pourquoi ? Parce que Héraclès est un humain, un demi-dieu, mais un humain, il est mortel, donc il est comme nous. Et donc il est sur Terre, il reprend ce symbole cosmogonique du soleil, et une fois le voyage terminé, il s'élève aux cieux, en l'occurrence, l'apothéose, avec la mort symbolique, la 13e épreuve. Ce qui nous renvoie, dans le zodiaque, au concept du serpentaire, le 13e cycle du zodiaque, mais j'ai fait des émissions sur ce sujet aussi, bien entendu. Alors, maintenant, allons plus loin, avec cet affrontement, si l'on peut dire, entre Jésus de Nazareth vs Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'on peut dire à ce stade ? Eh bien, tout d'abord, le Fils de Dieu qui marche parmi les hommes. C'est une notion archétypale. On peut citer comme exemple comparatif Persée, le demi-dieu grec, Bellérophon, demi-dieu né de Poséidon. On peut citer Okuninuchi au Japon, qui est né du dieu Susanoo. On peut citer Rama ou Krishna, qui sont des avatars de Vishnu. Tout un tas de personnages qui sont bel et bien nés d'un parent divin, soit par incarnation, soit par conception miraculeuse, ce qui correspond évidemment à l'histoire de Jésus. Ensuite, cette notion de celui qui souffre avec l'humanité. Là encore une fois, c'est archétypal. On peut citer comme exemple le personnage de Avalokitesvara, Bodhisattva de la compassion, on peut citer Prométhée, on peut citer Osiris dans une certaine mesure, et évidemment, je ne vous ai pas cité toute la liste innombrable des Bodhisattvas qui souffrent avec les humains. Au niveau de la symbolique solaire, là encore une fois, c'est totalement archétypal. Jésus ne fait pas exception. On pourra citer Mithra, qui naît le même jour, on pourra citer Horus, qui naît dans des conditions semblables, qui a un voyage solaire de la même façon, Héraclès avec ses 12 travaux, on pourra citer Lug, le dieu des Celtes, on pourra citer Balder chez les Nordiques, avec que je vais d'ailleurs détailler un petit peu. Balder, par exemple. Balder, c'est très intéressant, c'est le fils d'Odin. Donc, évidemment, Balder n'est pas un humain. Là, ça ne correspond pas. Mais Balder est né de Odin, Balder va mourir, plus tard il va ressusciter à la fin des temps pour apporter le salut à l'humanité. C'est très proche, vous l'aurez compris, du symbole christique, et évidemment, Balder est un dieu solaire. Donc, le point le plus important de cette première partie, c'est cela. Quelles sont, au final, les particularités spécifiques de Jésus de Nazareth par rapport aux demi-dieux grecs Persée et Héraclès, aux bodhisattvas du bouddhisme ou aux avatars hindous, ou même aux dieux solaires des diverses religions antiques? Vous l'aurez compris, la spécificité et surtout l'unicité de Jésus ne se trouve pas dans ces différents éléments. Pour cela, il va falloir chercher plus loin, ce qui nous conduit à la deuxième partie. Alors je vais faire une petite interruption pour voir un petit peu ce que vous dites dans le chat, voir ce que vous me dites, et dans quelques minutes, on va pouvoir attaquer la deuxième partie. Je regarde s'il y a quelques messages.
Trofeur nous dit « Lisez la Bible, l'unique et vraie vérité se trouve dans le Nouveau Testament ». Eh bien, on a le droit de la lire, on a le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord, bien évidemment, à chacun ses croyances. Vous le savez, à titre personnel, je ne suis pas chrétien, ce n'est pas un secret, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, il ne s'agit encore une fois pas d'attaquer la religion. Certes, je ne suis pas chrétien au sens « je n'ai pas la foi ». En Jésus-Christ, je n'ai pas la foi en l'Évangile et je ne crois pas à la notion du Père divin telle que définie dans le christianisme, le judaïsme ou l'islam. En revanche, je suis intéressé par la symbolique chrétienne, d'où cette émission en l'occurrence. Alors, qu'est-ce que vous me dites de Pau ? Je vous prends un ou deux messages. Midzi, la Bible raconte notre cheminement à nous tous, le christianisme bien compris est une école des mystères. Je ne suis pas en désaccord avec ton message, je trouve en effet cette approche tout à fait intéressante et on va y revenir. Siddhartha Gautama Buddha, celui qui a parlé à la lumière sur la montagne en langue gaie. Je ne comprends pas trop le rapport de ce message avec l'émission. Autre petit message en haut, Kane Yuri nous dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Eh bien, tu cites en l'occurrence l'évangile de Jean. Eh bien, c'est une question de croyance, bien entendu. Alors, une petite question en bas que je vois qui vient de tomber. Adriane me demande « Question, l'archétype de Jésus-Christ ne se rapproche-t-il pas du dieu Atumré d'Héliopolis ?» Non, pas spécifiquement. Tu vas, je pense, comprendre pourquoi tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion d'incarnation chez Jésus qui est fondamentale. Et d'autres points qu'on va voir qui sont fondamentaux. Donc Jésus, on ne peut pas le limiter à une perception uniquement divine, c'est-à-dire uniquement un personnage céleste qui accomplit des trucs et dans un rapport cosmogonique. Le rapport de Jésus, il est lié à l'humanité. Donc on ne peut pas le rapprocher spécifiquement d'Atumré. Mais on peut le rapprocher de tout un tas d'autres personnages en l'occurrence. Part nous dit Ludo, il n'y a pas longtemps tu disais avoir fait un craquage de lecture et ce que tu as repris. Et oui, merci d'avoir suivi cette information. Oui, en effet, j'ai eu petite phase émotive perso, j'ai eu quelques difficultés dans ma vie organisation personnelle en l'occurrence, au mois de décembre suite à mon déménagement, c'était un peu compliqué, tout ce métier, j'ai une maison beaucoup plus petite actuellement que l'ancienne, mon studio est beaucoup plus petit, c'est très difficile, j'ai fait un blocage de lecture, j'ai pas pu lire pendant près de 2 mois, j'ai pas pu lire un seul bouquin, j'étais complètement bloqué, rassurez-vous, c'est totalement reparti, je suis retourné à un rythme tout à fait naturel, j'ai retrouvé mon bon rythme de lecture tout à fait classique, donc merci de t'en inquiéter, tout va bien, rassure-toi. Et je vais prendre un troisième message. Question de Awil, juste un big love, message pour ton travail, bisous de Strasbourg. Eh bien, grand, grand merci à toi. Alors, on va reprendre notre périple avec la deuxième partie. Et on va creuser plus loin dans les archétypes. On va donc parler de ces points. Celui qui rachète les péchés de l'humanité. Attention, ce n'est pas la même chose que celui qui partage les souffrances de l'humanité. Là, c'est la notion du rédempteur, celui qui prend sur lui les péchés de l'humanité. Ensuite, on parlera de la notion du porteur de lumière, ou celui qui porte la connaissance aux humains, vous et moi. Ensuite, on parlera du concept des figures messianiques, donc de la fin des temps plus spécifiquement. Ensuite, on parlera des figures thaumaturgiques, les personnages qui ont les pouvoirs de guérisseur ou d'accomplir des miracles. Et ensuite, on va faire une analyse comparative de ces différents points. Alors, le premier, celui qui rachète les péchés de l'humanité. Le Christ rédempteur, c'est évidemment une phase du personnage qui est la plus connue. Je vais vous citer quelques extraits. Et la question qui va nous intéresser, c'est y a-t-il d'autres figures divines, de type Bodhisattva, Avatar ou autres, qui prennent sur eux les fautes de l'humanité ? Retenez ce point, il est essentiel. Jésus-Christ est le Fils de Dieu sur terre, Dieu lui-même, ce concept on le verra plus tard, et il ne vient pas seulement apporter des connaissances, il ne vient pas seulement raconter sa bonne parole, il ne vient pas seulement guérir les gens, il vient pour mourir. Vous voyez l'idée ? Il vient sur terre pour mourir, et en ce faisant, il va racheter la faute originelle. Nous sommes dans un cadre chrétien, de ce fait,
On reprend l'idée de l'Ancien Testament, comme quoi il y a une faute originelle, l'épisode du Jardin d'Éden, j'ai fait plein d'émissions sur le sujet, etc., etc. Mais c'est le prérequis de base. Il y a une faute originelle, l'homme est précipité dans la matière avec une souillure. Or, le travail de Jésus, l'une de ses activités, si ce n'est la principale, c'est de dire « Cette faute, je la prends sur moi, je vais payer la note. Donc, je vous rachète. » Ça veut dire qu'il prend sur lui tout ce poids. Je vous cite quelques extraits. Par exemple, dans Pierre, je ne vais pas tous les citer, de la même façon, vous pourrez regarder l'émission replay faire des pauses si vous voulez voir tous les extraits, évidemment avec toutes les références, mais là, ça nous amènerait trop loin de les citer tous. Dans Pierre, les actes de Pierre, on nous dit « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui dont les meurtrissures vous ont guéri. » Autre extrait dans Jean 2:2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Là, on ne peut pas être plus clair, Jésus est celui qui rachète la faute de tout le monde. Maintenant, y a-t-il d'autres figures divines, bodhisattvas, etc., qui prennent sur eux les fautes de l'humanité? Eh bien, non, il n'y en a pas d'autres. Là, nous sommes sur un élément qui est unique et spécifique à Jésus-Christ. Je m'explique plus précisément. Est-ce que, par exemple, Prométhée prend les fautes de l'humanité sur lui? Absolument pas. Il se sacrifie, au sens il vole le feu du ciel, il offre aux hommes la connaissance, il va payer cher, il va payer le prix de son vol, mais néanmoins, les fautes des hommes, ceux que les hommes commettent, ce n'est pas lui qui les prend. Avalokitesvara, Guan Yin, le grand bodhisattva de la compassion, souffre avec les humains, elle partage leurs souffrances, elle a de la compassion. On peut prier Guan Yin pour trouver le chemin de la compassion soi-même et aller mieux. Néanmoins, à aucun moment, Guan Yin prend les fautes des humains sur elle. Elle est là pour compatir et apporter sa compassion et aider les individus, les assister. Mais à aucun moment, Guan Yin ne meurt pour tout le monde. Elle ne meurt pas pour les humains. Vous voyez l'idée ? Elle se sacrifie un moment pour sauver des gens, mais c'est un acte précis. Ce n'est pas pour racheter les fautes de l'humanité dans la globalité. Autre exemple avec, par exemple, Krishna. Krishna va avoir des péripéties. À un moment, il meurt pour monter aux cieux, mais à aucun moment, Krishna ne meurt pour sauver l'humanité. Osiris ne meurt pas pour sauver l'humanité. Enfin, il ne prend pas le péché de l'humanité sur ses épaules. Voyez l'idée. Donc, là, on a une unicité du Christ. Maintenant, il faut l'interpréter d'une façon intéressante. On peut considérer que nous sommes souillés. Nous n'avons pas le moyen de racheter notre faute par nous-mêmes. Jésus la prend à son compte et c'est à nous maintenant, nous avons la possibilité de retrouver notre état primordial et la pureté d'origine par notre libre arbitre. Mais on peut aussi considérer que en fait, Jésus nous mâche le travail. On peut considérer après tout, comme une vision bouddhiste, le travail, il faut le faire par soi-même. Réparer la souillure, réparer son karma, il faut le percevoir soi-même. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de le faire à votre place. Donc, en ce sens, les deux visions sont totalement opposées. Dans la vision chrétienne, Jésus rachète la faute originelle. De ce fait, nous n'avons plus à le faire. Et maintenant, il faut bien se comporter. Nous sommes une page blanche et nous pouvons cheminer vers le bien. Alors que dans le bouddhisme, non, bonhomme, tu as un karma, tu vas devoir payer la note. Tu vas devoir travailler toi-même à réparer tes fautes, etc., etc. Donc, c'est deux visions qui s'opposent, mais dans notre étude de l'archétype, l'archétype, là, cette fois-ci de Jésus en tant que rédempteur qui prend le péché de l'humanité sur ses épaules, c'est un élément unique, en l'occurrence. Maintenant, étudions les autres éléments. Alors, les porteurs de lumière, porteurs de connaissances. Jésus est la lumière du monde. Je vous cite quelques extraits. Pas tous, encore une fois. Luc 2:32, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Matthieu 5:14-16, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Un dernier, assez rapide, Matthieu. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a eu une grande lumière, et sur eux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée.
Donc on fait de nombreuses références à Jésus en tant que lumière du monde, porteur de lumière, celui qui apporte la connaissance via la bonne parole, son message, qui sera techniquement, pour les croyants, transposé dans les évangiles. Donc, vous l'avez compris, Jésus, au-delà d'être le Fils de Dieu sur terre, possiblement de lui-même, il accomplit des miracles, ok, mais en plus de ça, il vient apporter des connaissances, des choses pratico-pratiques. C'est bien de racheter la faute humaine, mais maintenant, il va falloir que les humains, ils cheminent. C'est bien beau d'avoir remis la page blanche, d'avoir fait table rase du péché originel. Mais une fois qu'on a la page blanche, il faut à l'humanité des outils, des enseignements, des connaissances, un savoir, etc., etc., pour pouvoir cheminer, pour pouvoir pèleriner vers le chemin du paradis, si je puis dire, accéder à la félicité de la béatitude divine dans les temps finaux. Donc, Jésus est un porteur de connaissances, un porteur de lumière, peut-on dire. Pourquoi lumière? Parce que c'est l'allégorie souvent utilisée pour parler de la connaissance, tout simplement. Et je vois déjà que vous sentez un sujet qui va venir. Vous ne vous trompez pas. Nous allons en effet y venir. Mais pas tout de suite. Nous avons le mythe de Prométhée, le feu sacré, je l'ai déjà cité tout à l'heure, mais Prométhée, en l'occurrence, lui aussi est un porteur de connaissances ou un porteur de lumière. On parle de mythe prométhéen, en l'occurrence, puisqu'il apporte la connaissance aux hommes sous l'allégorie du feu sacré. On a évidemment des figures bouddhiques qui font la même chose. On a en l'occurrence toujours le Bodhisattva Guanyin Canon ou Avalokitesvara qui porte la connaissance. On a également la divinité courroucée Fudomyo qui est un porte de connaissance. Mais j'explique un peu plus précisément. Alors on va prendre le cas de Fudomyo pour changer de Avalokitesvara. Fudomyo c'est une divinité courroucée. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre du bouddhisme? Eh bien, dans le cadre du bouddhisme ésotérique, le Vajrayana, c'est une branche du bouddhisme qu'on retrouve au Tibet ou au Japon notamment. Ça veut dire le véhicule de diamant. Le diamant au sens le vajra, c'est-à-dire la foudre ou l'épée qui brise le voile de l'ignorance. Et en fait, donc la divinité, le Bouddha principal, terme divinité pas adapté, le Bouddha principal c'est Vairocana, c'est le Bouddha cosmique, c'est le Bouddha qui est en toute chose, qui est partout. Comprenez qu'en fait Vairocana c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Mais il faut réveiller sa nature de Bouddha en nous. Sauf que parfois les individus n'y arrivent pas. Et pour les aider dans cette tâche, eh bien Vairocana va prendre un visage particulier, qui est celui de Fudomyo. On l'appelle la divinité courroucée. Pourquoi? Fudomyo, c'est un personnage qui a l'air hostile de prime abord, et en fait, il est celui qui combat l'illusion ou qui combat l'ignorance. Il a une épée pour briser les chaînes de l'illusion ou briser les chaînes de l'ignorance. Donc on retrouve cette idée du porteur de connaissance. Pourquoi? Parce que cette épée est enflammée, c'est le feu sacré de la connaissance qui brise, en l'occurrence, qui brise l'illusion. Donc on retrouve le même symbole de porteur de lumière avec Fudomyo. Et on retrouve ça avec d'autres figures bouddhiques aussi, en l'occurrence. Donc Jésus n'est pas un porteur de lumière unique, on en trouve d'autres. Par exemple, dans les divinités antiques, on peut citer le cas de Odin, on peut citer le cas d'Apollon, ou encore du dieu Thoth, par exemple. Je m'explique, le dieu Thoth est la divinité qui va apporter aux hommes la connaissance de l'écriture, la connaissance de la magie, la connaissance du calendrier, la connaissance du temps, etc., etc. Donc Thoth est une divinité qui est un porteur de lumière, un porteur de connaissances. Apollon, en tant que divinité solaire, n'est pas le soleil personnifié, c'est Hélios, le soleil personnifié chez les Grecs. Inversement, Apollon, lui, il est le père des neuf muses, notamment. Donc le père des neuf formes de connaissance, des neuf arts. Il est également le dieu de la poésie et de tout un tas d'autres choses, il porte la connaissance aux hommes. Odin, c'est également le cas. Odin est le père des dieux As dans la mythologie nordique, scandinave. Sauf que Odin ne se limite pas à cela. Odin cherche lui-même la connaissance. Il boit à la fontaine de Mimir pour accéder à la connaissance. Ensuite, il veut qu'on lui révèle le secret des runes. Alors, il se suspend à l'arbre monde Yggdrasil pendant 9 jours, empalé sur sa propre lance, etc. Il se crève un œil pour boire de la fontaine de Mimir. Et une fois qu'il a tout ça, il a acquis la connaissance, il a acquis le secret des runes, l'écriture sacrée. Qu'est-ce qu'il fait? Il en fait don aux hommes. Donc, Odin est bel et bien un porteur de connaissance. Vous voyez l'idée. Jésus n'est pas unique dans cet archétype-là. Les enseignements, évidemment, sont différents, hein, mais là, je ne suis pas là pour analyser l'enseignement spécifique du christianisme ou des autres traditions. L'idée, c'est de comprendre l'archétype. Alors maintenant, on va prendre le cas particulier de Lucifer. Alors évidemment, si on est dans un cadre chrétien, Lucifer, c'est le diable, c'est Satan, c'est le mauvais bonhomme. Donc évidemment, il ne peut pas être un porteur de connaissances, il est le porteur du mensonge, le tentateur des hommes. Mais dans de nombreux courants ésotériques, et même dans certains courants gnostiques, même anciens, de type les zoophytes ou autres, la figure de Lucifer reprend l'archétype romain qui porte son nom, c'est-à-dire Lucifer en tant que dieu romain,
Oui, constater ces sublimes illustrations de Gustave Doré, hein, du Paradis perdu de George Milton, je suis un grand fan à titre personnel. Alors, pourquoi Lucifer ? Lucifer, en traduction, ça veut dire celui qui porte la lumière. Pourquoi ? Dans la mythologie romaine, le soleil, sol, apparaît le matin à l'est, mais avant, il y a une étoile qui brille dans le ciel. Cette étoile, c'est la planète Vénus. On lui donne le nom de Lucifer. Lucifer, c'est quoi ? C'est donc la lumière qui annonce la venue de la grande lumière, celui qui porte la lumière à venir. Donc, au matin, il y a Lucifer, et le soir venu, au moment du coucher, il y a le porteur de lumière du soir, on l'appelle Vesper. Chez les Grecs, c'est Eosphoros et Hesperos, le soir. Dans le culte de Mitra, c'est Cotès et Cotopates. Donc, Lucifer-Vesper chez les Romains. Sauf que ce symbole de Lucifer, dans un cadre ésotérique chrétien, il sera repris en mettant l'idée que Lucifer est celui qui annonce la lumière, et celui qui porte la connaissance avant qu'elle ne vienne. Donc il n'est pas la lumière lui-même, il est celui qui la porte. Mais c'est un peu la même chose en fait avec Jésus. Pourquoi ? Jésus, il est le Fils de Dieu, celui qui porte la lumière, qui vient la porter sur terre. Alors après on va dire, oui, il est Dieu lui-même, donc il est la lumière lui-même. Mais en fait, il prend les deux rôles. Jésus est à la fois le porteur de lumière et la lumière lui-même, ce qui rend intéressant. Alors que Lucifer n'est qu'un porteur de lumière, il n'est pas la lumière lui-même. Prométhée est celui qui porte la lumière, le feu sacré, mais il n'est pas la lumière lui-même. De la même façon, Apollon n'est pas la lumière lui-même, il est celui qui porte la lumière, en l'occurrence. Vous voyez une petite subtilité entre les deux. Mais on va voir que la lumière lui-même, on va trouver d'autres archétypes par la suite. Mais j'espère que vous comprenez la petite nuance. Donc Lucifer, dans certaines traditions ésotériques, certains courants occultistes, et même dans certains courants de l'ésotérisme chrétien des premiers siècles, va se retrouver en tant que symbole de porteur de connaissances, en l'occurrence. Alors maintenant, on va parler du concept des figures messianiques. Jésus est présenté comme le Messie de la fin des temps. On va citer quelques petits extraits. Dans Matthieu, on nous dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. » Pour citer un autre passage de l'Apocalypse, « Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête et ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Alors, tous ces différents passages sont intéressants, on en multiplie. Il y a l'idée que Jésus est venu sur terre une première fois, en tant qu'incarnation de Dieu sur terre. Il a répandu son message, ses enseignements, il a porté la lumière. Néanmoins, au-delà du fait de porter simplement la connaissance et de racheter les péchés de l'humanité, il reviendra dans des temps prophétiques, messianiques, au moment du jugement dernier, pour sauver l'humanité. Donc, Jésus est un Dieu sauveur. Il reviendra à la toute fin, pour clore la pièce de théâtre, pour clore le film, si vous voyez. C'est la dernière pièce. C'est le moment de la chevauchée des Valkyries, de Wagner, etc. Vous voyez l'idée. Alors la question qui va nous intéresser, c'est ce concept messianique d'un dieu sauveur qui paraîtra à la fin des temps, au moment de la scène finale, est-ce unique ? Ou de la même façon, est-ce archétypal ? Eh bien la réponse est simple, c'est archétypal. Vous avez dans l'hindouisme le Kalki. Kalki, c'est le dernier avatar de Vishnu. Il est présenté sur un cheval blanc, comme Jésus, avec un aura de lumière autour de lui, comme Jésus, dans un style assez proche de Jésus, évidemment, avec des trompettes et tout un tas d'instruments qui vont paraître à la fin des temps, comme Jésus. Alors, Kalki, il paraîtra à la fin du Kali Yuga. Dans l'hindouisme, il y a une version cyclologique du monde qui fait qu'il y a l'âge d'or, puis un âge d'argent, puis un âge de bronze, et puis un âge terrible, horrible, l'âge du chaos, le nôtre, le Kali Yuga. Ce Kali Yuga, il est très long, mais il prendra fin. Et quand il prendra fin, paraîtra un nouvel âge d'or. Évidemment, au moment de la fin du Kali Yuga, il y aura une grande bataille entre les humains, les démons, les dieux, tout ce que vous voulez. Et donc à ce moment-là, Kalki, dernier avatar de Vishnu, le dieu sauveur, hein, va paraître sur Terre pour sauver l'humanité, détruire les démons et pouvoir conduire l'humanité, ou ce qu'il en restera,
dans le Nouvel Âge d'Or. Donc, Kalki n'est en rien différent du Christ, sur le plan que c'est un dieu messianique de la fin des temps qui annonce le Nouvel Âge d'Or, le paradis, vous l'appelez comme vous voulez, bien entendu. Mais Kalki n'est pas le seul exemple. On en a un autre, c'est Maitreya, le Bouddha du futur. Alors, attention, petit disclaimer, ne pas confondre Maitreya, qui est un concept issu du bouddhisme, avec le gourou des Raéliens, dénommé Claude Vorillon, surnommé Raël, qui se fait parfois appeler aussi Maitreya. Ne confondez pas, Maitreya est un véritable personnage prophétique du bouddhisme. Alors comment ça se passe? Dans le bouddhisme, il y a tout un tas de bouddhas, tout un tas de bodhisattvas, etc., etc. Mais néanmoins, dans les enseignements du Mahayana, le grand véhicule, et du Vajrayana, le véhicule de diamant, ésotérique, il y a l'idée qu'un jour, dans des temps prochains, l'enseignement du Bouddha historique, Sakyamuni, qui n'est qu'un Bouddha parmi tout d'autres, hein, tant d'autres, hein, vous l'aurez compris, hein, donc l'enseignement de Sakyamuni sera oublié. Un jour, les hommes auront oublié les enseignements de Sakyamuni, auront oublié la voie du Dharma, auront perdu la Sangha, la communauté des croyants, et donc à ce moment d'âge des ténèbres, à ce moment où l'illusion sera la plus complète, eh bien, paraîtra le Bouddha du futur, Maitreya, qui viendra revitaliser l'enseignement, qui viendra re-apporter sur Terre une nouvelle fois l'enseignement, ce qui permettra aux gens de reprendre le chemin de l'éveil, et possiblement de s'unir, d'atteindre l'état de bouddhéité possiblement. Donc on a aussi cette figure messianique, alors, qui est présentée différemment, puisque l'enseignement n'est pas le même, la vision du monde n'est pas la même, la cosmogonie n'est pas la même, la vision du divin n'est pas la même. Mais il y a cette idée messianique de la fin des temps d'un prophète du type sauveur qui viendra nous apporter la bonne parole en temps et en heure. Donc ce n'est pas un cas unique au christianisme. Alors, nous avons également un petit peu moins connu, le Shaoxiant, figure salvatrice du zoroastrisme. Alors, le zoroastrisme est une religion monothéiste qui existait en Perse, dont le prophète le plus connu est Zarathoustra, ou Zoroastre, et cette religion est apparue sensiblement à la fin du deuxième millénaire avant notre ère, ou au tout début du deuxième millénaire avant notre ère, hein, il y a de grands débats historiques sur le sujet, mais dans tous les cas, ce qui compte, c'est que Zarathoustra a prêché l'enseignement de Ahura Mazda, la divinité suprême. Il y a tout un chemin de perfectionnement des individus. Ces derniers doivent purifier leur esprit pour atteindre le garrot des manas, c'est-à-dire la maison d'éternité, l'union avec le divin, si vous voyez, un peu l'équivalent, hein, du paradis chrétien. Sauf que, évidemment, les forces du mal agissent. Alors, dans le zoroastrisme, les forces du mal ne sont pas personnifiées comme existantes. En gros, dans le zoroastrisme, les démons n'existent pas. Il n'y a pas un dieu mauvais. Il ne faut pas confondre avec le mazdéisme. Dans le mazdéisme, il y a un dieu gentil et un dieu méchant. Mais dans le zoroastrisme, en fait, il n'y a qu'un dieu gentil. Et en fait, les dieux méchants, c'est en fait seulement l'absence de la divinité, ou l'absence des vertus. L'ignorance, c'est l'absence de la connaissance. La mortalité, c'est l'absence de l'immortalité. La bêtise, c'est l'absence de la sagesse, etc. Vous voyez, ainsi de suite. Donc en fait, quand les humains se seront tellement éloignés des vertus, c'est l'âge du chaos, c'est l'âge des démons, si vous voyez l'idée. Et là, viendra le prophète, à la fin des temps, qui viendra mettre fin aux guerres humaines, qui se tuent inutilement, pour conduire vers le garrot des manas, c'est-à-dire le paradis d'éternité, etc. Donc on trouve toujours une figure messianique, dans le cas du zoroastrisme, de façon archétypale, avec le grand combat de la fin des temps, si vous voyez l'idée. Je bois une gorgée encore, en vous laissant cette petite diapo. Alors là, vous avez donc la figure thaumaturgique. Excusez-moi, je m'hydrate un petit peu, la gorge un peu sèche, en parlant beaucoup. Alors tout d'abord, on va parler un peu des miracles de Jésus-Christ. Souvent, on présente les miracles de Jésus comme la preuve de sa nature divine. Alors, on peut le considérer comme ça, encore une fois, le croyant a le droit d'y croire, le non-croyant a le droit de ne pas croire, etc. On n'a aucun élément historique pour valider ou non la réalité sur un plan objectif des miracles de Jésus. C'est uniquement les récits rapportés a posteriori dans les évangiles. Donc, le fait d'y croire, eh bien, c'est la notion de foi et ça n'appartient plus au domaine de l'histoire. Sur le plan historique, on ne peut rien en dire à l'état. Peut-être, mais on n'a pas de preuves, tout simplement. Alors, citons quelques exemples de miracles de Jésus. Par exemple, dans Marc,
La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la prit dans la main, et il la fit lever. La fièvre l'a quittée, et elle les servit. Autre exemple, dans Jean. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni cet homme ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Il dit cela, et il cracha à terre. Il fit de la boue avec sa salive, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va, lève-toi à la piscine de Siloé », ce qui signifie « envoyer ». Et il alla donc, et il se lava, et il s'en retourna voyant clair. Tout un tas d'autres extraits, bien évidemment, encore une fois, en replay, vous pourrez les regarder assidûment. Donc, de la même façon, on nous dit, comme je vous disais, le fait des miracles de Jésus, ses guérisons, le fait qu'il ressuscite Lazare, etc., il marche sur l'eau, transforme des pains et des poissons en des myriades d'éléments communs pour nourrir une foule, les miracles de Jésus sont présentés comme étant la preuve de sa nature divine. Or, la question c'est, est-ce qu'un personnage historique ou mythique ou un peu à cheval entre les deux, comme c'est le cas de Jésus-Christ, vous comprenez, Jésus-Christ est un personnage qui est à cheval entre mythe et histoire, est-ce qu'on a des équivalents communs? Eh bien la réponse évidemment est oui, et au grand oui pour le coup. Tout d'abord, on peut citer le cas du dieu Asclépios, le dieu médecin. Et là je vous vois venir, vous allez me dire oui mais Asclépios c'est pas pareil, il n'est pas incarné sur terre, c'est une divinité, c'est le dieu de la médecine chez les Grecs. Détrompez-vous. Asclépios, à l'origine, c'est un humain. Il est né du dieu Apollon et d'une femme humaine, Coronis. Donc, sous-entendu, Asclépios est un demi-dieu, un parent divin, une énergie divine incarnée sur terre via une femme mortelle. Asclépios est un médecin, mais un homme médecin. Il va soigner, il va apprendre la connaissance de tout un tas de choses. Merci Kisaya pour ton tip à l'instant de 5€ sur Tipeee. Un grand merci. Donc il va apprendre les connaissances de la médecine, il va se perfectionner, puis à la fin, avec son sceptre qu'il porte toujours, il va se doter d'un serpent et acquérir de lui le pouvoir de donner la mort. Et plus tard, d'un autre serpent, il va acquérir le pouvoir de donner la vie. Donc Asclépios, parfois on l'appelle le porteur de serpents. Il porte les deux serpents. Zeus, très très en colère, va le tuer. Mais, s'en voulant un petit peu d'avoir fait ça, puisque c'était quand même son petit-fils, le fils d'Apollon, il va après le reprendre du monde des morts et l'élever dans les cieux et en faire de lui la constellation du serpentaire, l'Ophiuchus, le porteur de serpents. Donc Asclépios est le dieu médecin, mais à l'origine c'est un humain qui a acquis les connaissances de la médecine et qui est devenu dieu a posteriori. Évidemment, Asclépios a soigné tout un tas de personnes, il a ressuscité des personnes, et vous allez me dire, mais ceci est un mythe. Ben oui, mais pas plus, pas moins que les enseignements de la Bible, vous l'aurez compris. Donc, c'est archétypal, du moins avec Asclépios et Jésus. Mais on a d'autres cas. On a par exemple le cas d'Apollonios de Tyane. Alors Apollonios de Tyane, c'est intéressant, parce que là, on est sur un personnage qui est historique, et qui, d'après les récits, mais on est toujours entre mythe et histoire, vous l'aurez compris, aurait accompli de nombreux miracles. Apollonios de Tyane aurait ressuscité les morts, aurait guéri des personnes, il avait même, d'après certains, le pouvoir de bilocation, c'est-à-dire le fait de se trouver à deux endroits en même temps, d'apparaître et de disparaître, et de faire tout un tas de merveilles, donc pas différent de Jésus-Christ. J'aurais pu vous citer par exemple aussi le cas de Simon le magicien. Simon le magicien, le maître de la simonie, mais aussi le père des gnostiques, Simon accomplissait des miracles, pouvait voler dans les airs, ressusciter les morts, guérissait les gens, etc., comme Jésus. Donc, encore une fois, c'est archétypal pour des dieux, pour des humains, ou pour des demi-dieux, parfois. On a deux cas que je trouve très intéressants, qui viennent de l'Asie, avec Shenong et Dan Vantari. Alors, ces deux personnages, l'un appartient à la mythologie chinoise, c'est un des grands ancêtres, l'un des trois augustes. Il est techniquement celui qui guérissait et accomplissait des miracles, mais surtout aurait été l'inventeur de la médecine chinoise. Et au moment de sa mort, vous allez me dire, bah, comme tous les grands souverains, il est mort, on lui a fait une jolie tombe. Non, non, non. Là, les dragons sont descendus du ciel, il est monté sur le dos des dragons, il est monté dans les cieux, et il est devenu un dieu, en l'occurrence. Et pour l'autre personnage, eh bien, c'est une divinité hindoue, une déva, qui aurait apporté aux hommes la connaissance de la médecine ayurvédique, c'est-à-dire la médecine traditionnelle de l'Inde, en l'occurrence. Donc, des dieux, des demi-dieux ou des héros qui accomplissent des miracles, on en a partout. À foison, les miracles de Jésus n'ont rien d'unique, c'est simplement le fait de croire ou de ne pas croire qui va faire la différence. C'est tout. Mais c'est archétypal. Ensuite,
La question suivante, et pour le coup c'est plutôt l'analyse comparative en l'occurrence, voyons le bilan à cet état. Tout d'abord, celui qui rachète les péchés de l'humanité. Eh bien, sur cette question, il est clair et net, Jésus est unique dans ce rôle. Il n'y a pas d'équivalent. Peut-être, en poussant le vice, on pourrait dire il y a quelques personnages qui peuvent plus ou moins correspondre, plus ou moins, qui peuvent plus ou moins coller, mais grossièrement, Jésus est unique dans ce rôle de rédempteur de l'humanité, au sens qu'il reprend les péchés sur lui-même. En revanche, au niveau du porteur de lumière ou porteur de connaissance, c'est archétypal, on pourrait citer comme exemple Prométhée, Apollon, Foudomio, etc., etc. Au niveau du rôle messianique, c'est encore archétypal, on pourrait citer Maitreya, Kalki, Saryushant, Balder chez les Nordiques, etc., etc. Sur le rôle de thaumaturge, c'est aussi archétypal, on pourrait citer Asclépios, Apollonius de Tyane et des légions d'individus faiseurs de miracles. Donc, la seule véritable particularité qui distingue Jésus-Christ des autres figures divines, des autres traditions et religions, est son rôle de rédempteur de l'humanité. Et nous pourrons aborder ensuite la troisième partie. Mais pour le moment, on va faire une première grosse pause question. J'avais mis un petit message, une petite barre dans le chat. Si certains d'entre vous veulent poser des questions, eh bien, vous pouvez le faire. Essayez autant que possible, si c'est une question que vous voulez me poser, d'écrire @ ou hashtag avec question juste derrière, en gros, si possible. Comme ça, je pourrai le distinguer un peu plus aisément dans le chat, ce qui me facilitera la vie, vous en conviendrez, et je vous en remercie par avance. Pendant que vous posez vos premières questions, je vous poste rapidement le lien du Tipeee pour ceux qui voudraient soutenir la Web TV. Désolé pour ces informations bassement pécuniaires, mais je vous rappelle que la chaîne fonctionne grâce à vous, grâce à votre soutien sur Tipeee. Et de ce fait, eh bien, je sollicite votre financement participatif pour continuer à produire des émissions de façon libre et indépendante, et évidemment, en échange, ça vous offre accès aux Academia, les émissions privées, un peu plus longues, un peu plus techniques, enfin plus longues pas que les lives, hein, mais plus techniques en tout cas, et plus précises plus encadrés, si je puis dire. Voilà. Par exemple, on prendrait un seul des archétypes de Jésus et on ferait une émission complète. Je vous rappelle que, enfin, je vous le rappelle pas, je vous l'annonce, l'Academia qui sortira ce mois-ci, donc en fin de mois, disponible à la précommande pour tous les tipeurs, c'est le deuxième épisode sur le cycle de la tradition primordiale. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Là, pour le moment, je vais aller chercher vos questions après m'être hydraté. Alors, une question de Laale. Quelle différence entre le porteur de lumière et l'être illuminé? L'être illuminé, tu n'as pas dit la lumière personnifiée, hein, l'être illuminé. Alors, il y a plusieurs choses. Le porteur de lumière est celui qui, pour X raisons, détient la connaissance, ou un accès, ou un chemin à la connaissance, il va le donner. Un porteur de lumière, c'est celui qui détient un enseignement, un livre sacré, et qui vient l'apporter. Je prends un exemple, par exemple, dans l'islam. Dans l'islam, on peut considérer que Dieu, Allah, détient la vérité. Mahomet est l'individu. Mahomet, Muhammad, n'allez pas me faire un procès, encore une fois, sur le nom du prophète. Je dis Mahomet parce que j'ai pour habitude de dire comme ça, et j'ai conscience que c'est pas comme ça qu'on le prononce, etc. Mahomet est celui qui va recevoir l'enseignement, Allah est celui qui la donne. L'intermédiaire entre les deux, c'est l'ange Gabriel, si vous préférez, qui est le porteur de lumière, porteur de la connaissance du divin, à Mahomet, tout simplement. Dans les traditions gnostiques, le serpent de la Genèse, tradition gnostique, hein, entendez-moi, le serpent de la Genèse est celui qui incite l'humain à prendre le fruit de la connaissance du bien et du mal, et donc il est le porteur de la connaissance, c'est lui qui apporte la main de l'humain jusqu'au fruit, si je puis dire. Dans les traditions, que je cite un exemple, dans la tradition bouddhiste, on peut considérer que Shakyamuni est un porteur de lumière. Au sens, c'est lui qui, par ses expériences, par son éveil spirituel, accède à la connaissance, il la détient, et il la transmet par ses écrits à d'autres individus. Mais il n'est pas la connaissance personnifiée. Il la transmet seulement. Donc c'est un porteur de lumière.
La lumière personnifiée, bah, c'est la lumière personnifiée, c'est la connaissance. Donc la connaissance, suivant le cadre chrétien, c'est Dieu, suivant le cadre musulman, c'est Dieu, suivant le cadre bouddhiste, c'est le dharma, ou Vairocana, éventuellement. Si on est dans un cadre hindou, c'est le brahman, etc., etc. Vous aurez compris l'idée. La connaissance, c'est la source de toute chose. C'est le Tao dans le taoïsme, par exemple. Voilà. Un être illuminé, un être éveillé, c'est quelqu'un qui a acquis cette connaissance et qui potentiellement peut la transmettre. Il peut devenir un porteur lumière, mais il peut aussi pas le faire, rester un ermite dans sa grotte et le garder pour lui-même. Donc un être éveillé, c'est quelqu'un qui l'a acquis, mais qui n'en fait pas forcément partager les autres, dans un cadre humain en l'occurrence. Un gros merci au tipeur qui vient de passer, que je n'ai pas vu son nom, je crois que ça doit être Joseph, c'est ça. Mais un grand merci à toi. Alors, autre question. Question de Nora. La différence entre Jésus et les divinités païennes que vous mentionnez en comparaison n'est-elle pas que Jésus a réellement existé ? Jésus a réellement existé. Jésus de Nazareth a réellement existé, probablement. Sauf que la différence, peut-être pas. Pourquoi ? Parce que, premier point, Jésus, en considérant qu'il est parfaitement existé, pas de souci avec ça. Mais est-ce que ça veut pour autant dire qu'il est réellement Dieu, qu'il a réellement accompli des miracles, etc., etc. On peut légitimement se poser la question. Si on a la croyance, la foi, pas de problème. Mais sur un plan historique, on peut se poser la question, évidemment. Maintenant, autre point. On peut considérer que Asclépios a réellement existé. On n'a pas de preuve historique que Asclépios ait existé. Néanmoins, on peut hypothéser de la même façon, si j'ai la foi en l'hellénisme, en la religion des Grecs, je peux dire, j'ai pas de preuve historique, mais pour moi, Asclépios, il a réellement existé dans les temps anciens, et il a été un humain qui s'est élevé à la nature divine, etc. Il n'y a pas de différence objective entre les deux. C'est qu'une question de croyance. La différence, Jésus a réellement existé, mais Apollonius de Tyane aussi a réellement existé. Des personnes qui ont accompli des miracles, comme Simon le magicien, comme Zarathustra, aussi ont réellement existé. Donc, le fait qu'il existait ne veut pas pour autant dire que tous les pouvoirs qu'on lui prête sont réels, et ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas, en l'occurrence. C'est de la croyance. Si tu vois ce que je veux dire. Alors, d'autres questions. Question de Baptiste Hatton. Balder est arrivé lors de la christianisation de la Scandinavie. Y a-t-il un autre dieu avec un rôle messianique dans la mythologie nordique ? Un rôle messianique dans la mythologie nordique, pas vraiment au sens qu'on l'entend. En effet, ce que tu dis, c'est très vrai. L'apparition de Balder sur la scène mythique scandinave est probablement concomitante avec l'arrivée du christianisme dans la région, et même une christianisation de la région. Il est même probable, je mets quelques réserves bien sûr, il est même probable que Balder soit une adaptation de la figure du Christ dans un cadre mythologique païen pour mieux faire digérer la pilule de la christianisation. C'est un postulat qui est loin loin d'être absurde et qui est partagé par d'autres que moi, bien entendu. Néanmoins, ça reste une considération et absolument pas un fait. Mais je suis assez d'accord sur ce point, voilà, sur Balder en l'occurrence. Alors, question de Stan. L'évangile n'est-il tout simplement qu'un enseignement kabbalistique ? Oula, non, je ne pense pas. Mais je vais quand même détailler un petit peu. De prime abord, non. L'enseignement des évangiles n'est pas un enseignement kabbalistique au sens hébreu du terme, ça c'est clair. En revanche, on peut faire des points de comparaison entre l'enseignement kabbalistique et les évangiles. Mais ça pose une question beaucoup plus fondamentale. C'est que les textes religieux doivent-ils être interprétés ? Certains prennent les textes religieux de façon littérale. Certains les interprètent. Certains les interprètent même à plusieurs degrés de lecture. Un grand merci à Pascal pour ton tip à l'instant. Un grand, grand merci à toi pour ton gros tip d'ailleurs. Origène, père de l'Église, considère par exemple que la Bible, les évangiles, ont 4 ou 5 niveaux de lecture. Donc les plus métaphoriques étant les plus complexes, évidemment. C'est possible. Néanmoins, comprenez que c'est une analyse a posteriori toujours. Donc par exemple, on dit, je vais loin, hein, on dit l'évangile de Jean
C'est le plus complexe, c'est le plus mystique, c'est le plus ésotérique des évangiles. C'est vrai. Ça, c'est clair que c'est le plus mystique. En revanche, est-ce que l'évangile de Jean doit être interprété à plusieurs niveaux de lecture? Moi, je vais vous dire oui, parce que j'ai une tendance à l'ésotérisme. D'autres personnes vont vous dire oui. Pourquoi pas? Est-ce que néanmoins c'est une preuve absolue historiquement? Non. C'est-à-dire que peut-être que c'est simplement nous qui mettons du sens sur ce texte et tentons de tricoter le texte pour faire apparaître un enseignement mystique dedans. Comprenez, encore une fois, je pense que l'évangile de Jean a une portée ésotérique. Je vous ai fait une émission, elle va sortir au mois de décembre sur le sujet. Néanmoins, comprenez que c'est un postulat et pas un fait. Prenons un exemple beaucoup plus parlant avec l'Ancien Testament. Quand on lit par exemple le Deutéronome et qu'on voit des passages assez violents qui disent par exemple bah, si tu vois une femme adultère, tu lui jettes des cailloux et tu la lapides, est-ce qu'il faut prendre le texte littéralement ou est-ce qu'on peut l'interpréter? Alors aujourd'hui, il est de bon ton de dire bah, faut l'interpréter, parce qu'évidemment, c'est pas très bien de faire ça, on est bien d'accord. Donc du coup, on interprète le texte. Oui, alors ils disent ça, mais en fait, ça ne veut pas vraiment dire ça, parce que la pierre, c'est le symbole de tel truc, et l'adultère, c'est le symbole de tel truc, et puis à la fin, ça n'a plus rien à voir. Donc, est-ce qu'on doit interpréter les textes anciens? La question se pose parfois. Mais pour rester sur l'idée base, kabbalistique pour les évangiles, je ne pense pas, à titre personnel. Loup Noir a écrit un message et je vais me permettre de le lire parce que je le trouve intéressant. Pas de prosélytisme dans vos commentaires. Merci, priez votre Dieu dans votre coin et laissez les gens croire en ce qu'ils veulent. Eh bien, Loup Noir, je partage ton point de vue dans le chat en l'occurrence. Vous avez le droit à vos croyances, mais respectez celles des autres. C'est que comme ça qu'on pourra cohabiter de façon correcte. D'ailleurs, je remarque que vous êtes près de 530 à suivre l'émission en direct. Eh bien, grand, grand merci à tous. Je prends encore 3-4 petites questions avant d'attaquer notre troisième partie. Alors, question de Acide. Que pensez-vous de la thèse d'entéogène, ceci induisant des états de conscience ineffables, ça expliquerait certains dires magiques qui ne seraient qu'une interprétation de l'ineffable, mais vrai. Je ne connais pas cette thèse, donc je ne serai pas en mesure de t'y répondre. En revanche, de ce que je semble en comprendre, il est tout à fait possible que certains états psychiques particuliers provoquent des interprétations ou des phénomènes tout aussi psychiques ou éventuellement à portée magique. Je suis assez client de ce type de théorie, en l'occurrence, que j'aborde très fréquemment dans mes émissions, en l'occurrence, et que j'aborderai beaucoup plus évidemment aussi dans la chaîne secondaire. Alors, question. Caroline Tempo, question, pas d'archétype messianique féminin à l'horizon? Eh bien, si, détrompe-toi, Avalokitesvara, Bodhisattva de la compassion, en Chine et au Japon, c'est une femme. Guanyin, c'est la grande déesse de la compassion, si j'osais le mot, et Kanon, évidemment, Kanon qui est sûrement le Bodhisattva le plus vénéré du Japon, et en l'occurrence présenté sous les traits d'une femme, et qui est une figure. Pas messianique, mais qui apporte quand même cette idée de compassion suprême. Alors, figure messianique au sens fin des temps dans ce cité, non, il n'y en a pas que j'ai identifié primairement. Ce qui n'est pas forcément illogique, puisque le rôle féminin, le pouvoir masculin, le pouvoir féminin se complètent et s'opposent, enfin, ne s'opposent pas, mais se complètent surtout, et en l'occurrence, le rôle n'est pas placé forcément au même endroit. Ce qui pourrait expliquer. Le côté archétype masculin messianique de la fin des temps, alors qu'inversement, souvent le messie naît d'une femme. Oui, parce que du coup, que ce soit Persée, que ce soit l'avatar de Vishnu, Rama, Krishna ou même Kalki ou Jésus, ben, ils sont tous nés d'une femme. Donc on pourrait considérer que le pouvoir féminin, c'est de porter en elle le pouvoir messianique. Donc c'est pas mal non plus en l'occurrence. Ça se complète. De toute façon, dans les traditions anciennes, on a toujours cette complémentarité des forces féminines et masculines qui, c'est par leur union, leur harmonie et leur complémentarité qu'on peut arriver à de grands résultats, en l'occurrence. On revient sur le symbole du yin et du yang, hein, dans le taoïsme, bien entendu. Mais ouais, on a vraiment cette idée que bah, c'est la matrice féminine, le pouvoir féminin qui engendre le dieu masculin, qui sera messie. Donc on a la déesse et le dieu, toujours pareil. Alors, encore Nimrod Apkinkou. Question. Le personnage de Jésus-Christ est-il conçu au travers des mythes et histoires très anciennes?
Est-ce que le personnage de Jésus est une construction littéraire, une construction littéraire basée sur des récits anciens? Ouais, je vais tenter de te répondre à ta question. Il est évident, comme vous l'aurez compris à ce stade, que la figure de Jésus-Christ, j'insiste, Jésus-Christ, pas Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, est totalement archétypale dans ses attributs. Des attributs qu'on va retrouver chez tout un tas de personnages. On fera un bilan total à la fin pour voir les synchronicités. Vous allez voir, évidemment, c'est quasi absolu. Que un personnage, Jésus historique, Jésus de Nazareth, on va l'appeler comme ça, ait fait des choses intéressantes et diffusé son message et eu des disciples, oui, ok. Quand on le transforme en Jésus-Christ, ça c'est dans les évangiles, évidemment. Donc c'est a posteriori. Il y a un élément que je trouve intéressant. C'est l'idée que dans le cadre du judaïsme, on attendait un prophète. On attendait un messie dans le cadre du judaïsme. Or, on disait que ce prophète allait naître de la maison de David et à Bethléem. Donc, Jésus, dans les évangiles, bah, il naît où ? À Bethléem, et il est né de la lignée de David. Mais il est tout à fait possible que les auteurs des évangiles aient écrit cela pour correspondre au canon judaïque et correspondre au Messie attendu par les Juifs, pour dire en gros, c'est lui, c'est personne d'autre, il est né à Bethléem. J'imagine la scène un petit peu différemment. Oui, mais le Jésus, il était né où? Bah, à Bethléem, voyons. Il était de la lignée de David? Bah, évidemment, par sa mère, son grand-père, etc., tout ça. Donc il est tout à fait possible, hypothétique, que ce soit une construction littéraire a posteriori, et qu'on lui ait greffé sur lui tous les archétypes présents dans les cadres mythologiques et religieux précédents, qui sont les archétypes du dieu solaire, l'archétype messianique, l'archétype de tout ce que vous voulez, guérisseur, miracle, et tout ce qui va bien. Donc dans le cadre de la croyance, on peut dire, voici les faits avérés, Jésus est tel qu'il est présenté, mais sur un plan d'analyse anthropologique, on peut en effet observer que Jésus correspond largement à ce qui se faisait avant lui. Et donc on est quasiment sur un copier-coller d'un personnage, Jésus Christ, nouveau dieu solaire sauveur, qu'on a accolé sur la figure de Jésus de Nazareth, personnage historique. Fusion entre les deux personnages. Et c'est typiquement ce qu'on va aller dans la dernière partie de cette émission. Je prends néanmoins de dernières petites questions avant d'y aller. Et bien la dernière qui est tout en bas. Question de Isir. Tu connais Paul Lecour, point d'interrogation, car ce sont en partie cette théorie sur le fait qu'il y ait pas mal d'interpolations. Je connais, oui, les travaux de Paul Lecour. En revanche, les travaux de Paul Lecour sont pas du tout d'accord avec ce que je présente actuellement. Paul Lecour, notamment dans l'ère du Verseau ou l'évangile secret de Jean, considère qu'il existait le christianisme avant le christianisme. C'est-à-dire qu'en fait, la première religion, la tradition primordiale de l'humanité, c'est le christianisme. Et le Christ vient révéler cette tradition qui était perdue, qui était oubliée, afin de redorer le vrai message. Mais Paul Lecour ne fait pas les points comparatifs exacts avec les archétypes, en l'occurrence. Il considère Jésus-Christ comme le sauveur tel que le message chrétien le définit. Tel que le message chrétien le définit. Donc en gros, Jésus est l'envoyé du Père pour restaurer la tradition primordiale perdue, et ça prendra le nom de christianisme. C'est ça la pensée de Paul Lecour. Et elle lui appartient, bien entendu. Néanmoins, il ne fait pas cet aspect archétypal de Jésus que je présente ce soir. Et je vais faire une petite pause dans les questions, je mets une petite barre pour que vous vous y retrouviez, et je vais reprendre le fil de mon propos dans la troisième partie de cette émission. Clac, 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 je reposte quelques courts instants le lien du Tipeee pour ceux qui ont la possibilité, qui ont le désir ou qui voudraient tout simplement soutenir la Web TV. Et moi, je reprends mon fil. Alors... Ah oui, c'est vrai, il faut que je change le document. Voilà, on est ici, parfait, vous n'avez rien vu, c'est fantastique, mais j'ai tout changé. Alors, donc, oui, partie 2, on va explorer donc le concept de Jésus, fils de Dieu et Dieu lui-même, point d'interrogation, la particularité humaine de Jésus, on va l'explorer. Ensuite, on va étudier la notion de celui qui meurt et ressuscite. Ensuite, on va parler de l'ascension vers le Père. Et enfin, nous ferons le bilan de l'archétype du Christ avant de passer à la conclusion de tout ceci. Alors, premier point. Jésus, fils de Dieu et Dieu lui-même. Ça, c'est la question centrale qui est celle de la nature de Jésus. Je vous cite quelques extraits issus des évangiles. Dans les évangiles, on nous dit, par exemple dans Jean 1.1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Comprenez, au commencement, on fait une analogie entre le Logos, la parole, Dieu et Jésus. Bon, en gros, Jésus est Dieu, d'après ce verset. Ensuite, dans toujours Jean 20.28,
Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dans Jean 5, 20, on nous dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître la le véritable, et nous sommes dans le véritable. Et son Fils, Jésus-Christ, c'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. » On ne peut pas être plus clair, l'évangile de Jean nous répète très très régulièrement que Jésus est Dieu lui-même. Et ensuite, on retrouve des références dans tout un tas de textes qui suivent les évangiles, mais, vous l'avez noté, dans les quatre évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc, Jésus est le Fils de l'homme, ou le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu lui-même, ou il n'est pas présenté comme cela. Alors on peut interpréter les versets, dire oui, mais ça veut dire ça, parce que quand on parle de l'épi de maïs sur la montagne et tout, on peut le tricoter autant qu'on veut dans l'interprétation, mais littéralement au premier plan, ce n'est pas dit explicitement. En revanche, dans Jean, c'est clair, 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 net et précis. Et là, rappelez-vous les dates. L'évangile de Jean est le plus tardif, le plus éloigné des événements. Autre chose, la nature divine en tant que Dieu lui-même de Jésus n'est pas partagée par tous les chrétiens. Dans la tradition catholique orthodoxe, pour la plupart des orthodoxes, protestante, pour la plupart des protestants, Jésus est le Fils de Dieu et Dieu lui-même incarné sur terre. En revanche, pour les unitariens, en revanche, pour l'arianisme, rien à voir avec les nazis de la Seconde Guerre mondiale, l'arianisme, un courant chrétien qui vient du sage Arius, dans le 3e siècle de notre ère, eh bien les partisans de l'arianisme de Arius et les partisans des unitariens, etc., et quelques autres branches, et les gnostiques, eux, ils ne considèrent pas que Jésus est Dieu lui-même, ils considèrent simplement que Jésus est un homme éveillé à la puissance divine, a accès à quelque chose supérieur aux autres humains, mais n'est pas Dieu lui-même. Donc comprenez que cela est surtout le postulat du courant johannique de l'évangile de Jean qui va faire ce rapprochement de Dieu avec la figure humaine de Jésus-Christ ne faisant qu'un personnage. Et cela sera entériné avec le concile de Nicée et réaffirmé dans les autres conciles, ce qui fait qu'on est arrivé au dogme trinitaire qui dit Dieu en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Tout ceci, c'est Dieu, trois manifestations du seul et unique Dieu. C'est le point de vue. Maintenant, la question qui va nous intéresser, puisque là, c'est simplement le dogme chrétien. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est toujours pareil, c'est une question de foi, cela ne me regarde pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'archétype. Est-ce que cet archétype-là, de Dieu fait homme, mais Dieu vraiment lui-même, se retrouve ailleurs? Eh bien, la réponse est oui. On recite encore une fois, je le radote, le cas de Krishna, qui est un avatar de Vishnu. Mais attention, quand on dit que Krishna est l'avatar de Vishnu, je ne suis pas en train de vous dire que Krishna est une fabrication de Vishnu, je ne suis pas en train de vous dire que Krishna est un petit particule de Vishnu, je ne suis pas en train de vous dire que Krishna est un prophète de Vishnu, je suis en train de vous dire que Krishna est Vishnu en personne, incarné dans un corps de chair. En quoi Vishnu est-il différent en ce sens de Jésus? En rien, vous l'aurez compris. Vishnu est là, Vishnu se propulse dans la matière, il est toujours là, hein, Vishnu, mais il est là aussi, bilocation. Dans le plan divin, il est Vishnu, dans le plan humain, il est Krishna. Quand Krishna meurt, Vishnu se trouve toujours complet autant que tel, comme si rien n'avait changé pour lui-même. Donc, Krishna, pardon, et plus tard Kalki, en l'occurrence, partagent tout à fait cette idée, fils de Dieu et Dieu lui-même. Maintenant, est-ce que ça se limite à Christos, Christ et Krishna, qui, vous l'aurez bien noté, partagent une linguistique assez proche? Mais on peut citer également le cas de Dionysos Zagreus. Alors, vous connaissez tous, évidemment, ce brave dieu Dionysos, dieu de l'ivresse, du vin, des excès, de l'extase, des orgies et des bacchanales et de tout un tas d'autres choses tout à fait réjouissantes, bien évidemment. Oui, j'ai une affection tout à fait particulière pour le dieu Dionysos. J'aime beaucoup sa symbolique sur les plans initiatiques, en l'occurrence. Que je vais vous raconter, du coup, puisque c'est ce qui nous intéresse. Alors,
dans la tradition grecque classique, ou dans la religion assez populaire classique, Dionysos est le fils de Zeus et d'une mortelle qui s'appelle Sémélé. Sémélé, femme mortelle, Zeus, dieu. L'union entre les deux, ce qui fait que Dionysos est un demi-dieu, au sens qu'il a un parent divin et un parent humain. Mais avec une petite subtilité, dans la religion classique des Grecs, Sémélé a demandé à contempler la toute-puissance, elle était enceinte, hein, la toute-puissance de Zeus. Zeus sait ce qui va se passer, mais il accepte quand même. Donc il montre sa toute-puissance divine, sa lumière divine. Et Sémélé grille instantanément. Zeus réussit à sauver l'enfant, le met dans sa cuisse et finit la gestation. C'est pour ça que Dionysos est un peu plus dieu qu'humain quand même, puisqu'il a fini sa gestation dans la cuisse de son papounet. Sauf que ça, c'est la religion classique. Dans la vision orphique de la tradition, dans la vision orphique des Grecs, donc d'autres systèmes cosmogoniques religieux, eh bien, on nous raconte qu'à l'origine des temps, il y avait évidemment le Phanès, d'ailleurs le dieu principal, qui est né de l'union de Nouméa et Chronos, donc en gros le temps et l'espace, donc Phanès, la possibilité de toute chose, une sorte d'œuf cosmique. De là, la royauté temporelle démiurgique va passer à Zeus, et plus tard, à son fils préféré, Zagreus. Pas Dionysos, Zagreus. Donc Zagreus, c'est le plus parfait, c'est la lumière du monde, c'est l'alpha et l'oméga, c'est le destin, c'est le sauveur, c'est le messie, c'est tout ce que vous voulez. C'est une sorte de Jésus, Zagreus. Sauf que, pas de chance, les titans, des gens très très méchants, vont décider de dérober la puissance de Zagreus, et pour cela, ils vont le capturer, ils vont le démembrer, et manger sa chair. Donc retenez bien, Zagreus est la lumière du monde. Il est la puissance divine à proprement parler. La nature divine propre. En tant qu'héritier du Phanès, etc. Il se fait dévorer par les titans. Donc c'est-à-dire que les titans portent en eux un petit peu de cette divinité de Zagreus. Le cœur de Zagreus sera néanmoins sauvé par Athéna, sa sœur. Elle le donne à son père. Son père, Zeus, a une romance avec une femme mortelle, Sémélé, toujours la même. Sauf que, au moment de la conception, il donne à cet enfant le cœur pur de Zagreus. C'est la naissance de Dionysos, où Zagreus naît une nouvelle fois. Sauf que Zagreus est un dieu à 100%, et Dionysos est un demi-dieu. Comprenez. Ah, mais pour comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. Les titans avaient mangé le corps de Zagreus. De là, Zeus, en colère, va foudroyer les titans et les transformer en cendres. Et plus tard, de ces cendres vont naître les humains. Donc comprenez que les humains sont nés des cendres maléfiques des titans, le corps de matière corrompue. Sauf que ils portent en eux une étincelle de Zagreus, puisque les titans avaient mangé Zagreus. Revenons maintenant à Dionysos, né d'une femme mortelle, mais d'un parent divin, et portant le cœur de Zagreus. Donc Dionysos est la réincarnation, si l'on veut, de Zagreus. Lui aussi, il possède un corps mortel, corrompu, puisque né des cendres des titans, par sa mère, mais il possède en cœur, en son centre, le cœur pur, parfait de la divinité. Il n'a pas qu'une étincelle de Zagreus, il a la totalité du cœur pur de Zagreus. Et là, vous avez l'image de Jésus Pantocrator, le cœur, le sacré cœur qui apparaît. C'est la même chose. Dionysos, le deux fois né, est le dieu parfait Zagreus, incarné dans le corps de matière, mortel, qui va d'ailleurs mourir et ressusciter un petit peu plus tard, on va en parler. Et du coup, vous avez tout à fait compris que c'est la même chose que Jésus. Il est fils de Dieu et Dieu lui-même. Sauf que c'est un récit qui est beaucoup plus ancien que celui de Jésus, bien sûr. Alors, allons plus loin avec un cas beaucoup plus proche de nous, celui du Dalai Lama. Et on va faire un petit voyage au Tibet. Le Dalai Lama, ou Tenzin Gyatso, 14e Dalai Lama, vous avez sûrement souvent entendu parler que le Dalai Lama était la réincarnation du Dalai Lama qui avait lieu juste avant, et juste avant, et juste avant. Sauf que, à l'origine de toute chose, le Dalai Lama est censé être la réincarnation, techniquement, dans les croyances bouddhistes, de Avalokitesvara. Vous l'avez déjà entendu ce nom au cours de cette émission, le grand bodhisattva de la compassion, ou encore Guanyin en chinois, ou Kanon au Japon. Donc, techniquement parlant, Avalokitesvara, bodhisattva de la compassion, un être qui a été une sorte de statut divin, si on faisait la traduction dans nos langages, eh bien cet individu s'incarne dans la matière. Dans un petit garçon, ce petit garçon a grandi, devenu le Dalai Lama.
c'est pas très différent de Jésus, vous en conviendrez. Si on considère l'équivalence entre Avalokitesvara et la divinité, et qu'on considère Jésus historique avec le Dalai Lama, voilà, toujours une question de croyance, mais l'archétype est le même. Allons plus loin avec la particularité humaine de Jésus. Alors là, on va se concentrer un petit peu plus sur la figure christique, et on va tenter de poser et de répondre à plusieurs éléments qui sont centraux dans ce personnage. Le premier, c'est le Dieu qui fait l'expérience humaine. Ensuite, les controverses des églises sur la nature de Jésus, on en a déjà parlé. Pourquoi Jésus accepte de mourir et l'expérience de la souffrance rédemptrice. Alors, tout d'abord, Jésus, quelques extraits. Et Jésus croissait en chassesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il y prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Autre extrait encore, dans les Hébreux 4:15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais nous en avons un qui a été tenté, et toute chose, comme nous le sommes, nous commettons des péchés. » Et l'un des plus importants, Jésus 11:35, « Jésus pleura. » Jésus fait l'expérience de la souffrance. Tout au long de sa vie, on en a déjà parlé. Jésus souffre. Ce qui est très important dans le cadre du christianisme, c'est qu'on n'est pas sur un Dieu déconnecté. On n'est pas sur un Zeus ou un Atum ou sur un Amaterasu au Japon, un dieu lointain qui regarde le bétail ou le petit peuple comme des fourmis ou comme des Sims sur Terre. Dieu, dans le cadre du christianisme, doit s'incarner sur Terre pour faire l'expérience de la vie. Comprendre les humains, c'est partager leur vie. Là, on pourrait poser une petite question ontologique en disant « Mais si Dieu est omnipotent, omniscient et omnibienveillant et qu'il a créé les humains, eh bien, ça veut dire qu'il sait déjà tout ce qui va arriver. Vu qu'il a créé la souffrance, il sait ce que c'est. Vu qu'il a créé la colère, la haine, l'amour, etc., il sait ce que c'est. En quoi a-t-il besoin d'en faire l'expérience par lui-même pour la comprendre ? » Ça, ça pose une question théologique, bien sûr. Ce n'est pas le sujet, je la mets de côté pour le moment. Enfin, pour aujourd'hui, du moins. Donc, là, on a l'idée de la divinité qui s'incarne sur Terre. Mais en réalité, dans le langage, c'est pas pour lui qu'il le fait, c'est pour nous. Parce que les humains se disent « Ah oui, c'est Dieu lointain qui ne nous comprenne pas. C'est Dieu lointain qui ne partage pas notre souffrance. » Et bien là, Dieu dit « Si, je vais venir avec vous et je vais partager. Je vais voir ce que vous vivez. Regardez, je suis avec vous et je souffre comme vous. » C'est comme ça qu'il faut interpréter l'idée du besoin de Jésus de partager, en l'occurrence, l'expérience humaine. Alors ensuite, la controverse des églises sur la nature de Jésus, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, avec l'idée, est-ce que Jésus est fils de Dieu ou Dieu lui-même, directement, ou les deux en même temps, etc. Évidemment, il y a des discordances, mais vu que j'ai anticipé ce sujet, je ne vais pas y revenir. Ensuite, pourquoi Jésus accepte de mourir? Ça, c'est une question évidemment très importante. Si Jésus est Dieu lui-même, s'il possède des super pouvoirs miraculeux de guérison, de ressusciter tout le monde, etc., ou de marcher sur l'eau, on peut légitimement se dire que Jésus aurait pu balancer une météorite et cramer tout le monde, tout le moins tous les méchants, faire une pluie de soufre ou de lave sur uniquement les méchants, et se débarrasser des perturbateurs. On pourrait même, dans un paradoxe d'omnipotence, se dire, après tout, vu que Jésus est Dieu lui-même, il peut faire en sorte que, ayant prévu les événements, il peut faire en sorte que les méchants n'existent pas, et puis si les méchants n'existent pas, il n'y a pas besoin de venir sur Terre pour apporter un message, et donc s'il n'y a pas besoin de venir sur Terre pour apporter un message, il y a, du coup, pourquoi avoir créé l'humanité? Ça, c'est le paradoxe de l'omnipotence, toujours pareil, l'omniscience qui rentre en conflit avec l'omnibienveillance et l'omnipotence. Je vous ai proposé une émission il y a un an qui s'appelle « Le paradoxe de l'omnipotence », enfin, « Les mystères de Dieu, le paradoxe de l'omnipotence », je vous y renvoie. Là, c'était juste des petites digressions pour vous expliquer la complexité. Sur le point de vue humain, Jésus doit venir partager l'épreuve de la souffrance. La souffrance ultime, c'est la mort. La souffrance ultime de l'humanité, c'est la mort. La peur de la mort, la perspective de disparaître, je vous passe les détails, etc. Donc Jésus doit mourir. S'il veut accomplir l'expérience humaine dans sa globalité, il doit mourir. Mais autre chose, il doit ressortir la souffrance ultime pour pouvoir racheter toutes les souffrances de l'humanité. C'est présenté comme cela, si on peut dire. Après, on peut voir en réalité que c'est archétypal, sur le plan que d'autres personnages souffrent largement autant que Jésus, apportent leur compassion à l'humanité, etc. Le seul unicité de Jésus, qui n'est pas un archétype venant d'ailleurs, c'est l'idée qu'il prend sur lui les fautes des autres. Ça, c'est vraiment le point
le plus central. Mais l'expérience de la mort est inéluctable, puisque pour vivre l'expérience humaine, il doit en faire l'expérience entièrement. Alors ensuite, il y a l'idée de l'expérience de la souffrance rédemptrice. Je le disais à l'instant, Jésus doit souffrir au maximum. Alors ça, ça amène une idée dans le christianisme qui est, en gros, pour se rapprocher du chemin de la vérité, si on considère que Jésus est la vérité, si on considère que Jésus est Dieu lui-même et qu'il apporte le message, le modèle de Jésus est de ce fait parfait. Donc de ce fait explorer la souffrance est de facto rédempteur. En gros, c'est pour ça que vous avez de nombreux personnages de l'histoire chrétienne, ou de nombreux personnages des moines ou autres, qui endurent par eux-mêmes des souffrances, volontairement, afin de se rapprocher des souffrances du Christ, de vivre l'expérience christique par eux-mêmes, et pour atteindre le chemin de rédemption. Et là, en fait, on se retrouve une déformation du problème, c'est qu'à la base, on a Dieu qui vient faire l'expérience humaine, qui souffre et qui meurt, et là, inversement, on a des humains qui vont tenter de faire l'expérience du Dieu qui est venu vivre leur expérience à eux. Vous comprenez ? C'est un petit peu bipolaire sur cet aspect-là, à mon sens, bien entendu. Là, c'est mon point de vue personnel. Donc, du coup, dans tous les cas, la souffrance du Christ devient le modèle à atteindre et qu'on reproduit pour certains individus. La souffrance devient rédemptrice, la souffrance est quasiment le chemin. Et là, une antithèse absolue avec le bouddhisme, c'est que le bouddhisme fait le constat que le monde est souffrance et il convient de se libérer de la souffrance pour atteindre le nirvana. C'est l'inverse du christianisme, d'où les théologies sont évidemment assez peu compatibles sur cet aspect-là. On va un petit peu plus loin. Celui qui meurt ressuscite. Ça, c'est un point qui n'est plus du tout une spécificité de Jésus. Comme, pour ne pas trop griller les étapes et me faire comprendre assez clairement possible, ce qu'on venait d'explorer à l'instant, c'est-à-dire l'expérience de la souffrance, de la mort, l'expérience humaine de Jésus, c'est réellement ce qui lui confère sa spécificité par rapport aux autres. Tout le reste est archétypal. La souffrance terrestre de Jésus, le fait qu'il partage notre expérience, est le seul point unique, si je puis dire. D'où le fait que je détaillais un petit peu plus sur mes points de vue personnels et ce que je considère à titre personnel être des incohérences sur un plan théologique. Mais ce n'est que mon point de vue, bien évidemment. La foi n'est pas la question à propos. Alors, ensuite, le point suivant qui est pour le coup archétypal, c'est la notion de celui qui meurt et qui ressuscite. Donc, Jésus est-il le seul à mourir et ressusciter ? Je vous cite tout d'abord des extraits, par exemple dans Matthieu, et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, ils saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, là ils me verront ». Il annonce sa résurrection plus tard. Dans Jean, ayant dit cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. On parle de Marie Magdalène. Jésus lui dit « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui signifie « le maître ». C'est le moment de la résurrection du Christ. Toujours Jean. Le soir de ce jour-là, le premier de la semaine, alors que les portes où se trouvèrent les disciples étaient verrouillées, par crainte des Juifs, Jésus vint, se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Là, vous avez une information qui est tout à fait capitale. La porte était fermée, mais Jésus est quand même apparu à l'intérieur. Est-il apparu spirituellement, symboliquement, psychiquement ou physiquement ? La question est ouverte, bien entendu. Ça ouvre des portes d'interprétation. Mais ça, on va y venir tout à l'heure. Pour le moment, Jésus meurt et ressuscite. C'est ce qui fait la spécificité du christianisme sur le plan. C'est un Dieu qui décide de mourir pour racheter l'humanité et qui ressuscite, bien évidemment, puisqu'il est Dieu, et pour montrer le chemin de la rédemption, d'où la résurrection de la fin des temps, au jugement dernier, etc., etc. Sauf que ceci n'est absolument pas un cas unique. Des dieux qui meurent et qui ressuscitent, il y en a pléthore. Pour citer deux exemples, je vais citer Balder et Adonis, et d'autres au besoin. Alors, Balder, on l'a déjà dit tout à l'heure, Balder c'est le fils d'Odin, fils de Dieu. Il meurt un peu bêtement, avec une flèche de Hoer, avec les manigances de Loki, qui lui fiche une flèche dans la tête. Balder meurt. Et quand interviendra la fin des temps, il ressuscite pour devenir le nouveau dieu régnant, le soleil ressuscité. Adonis, c'est un peu plus rocambolesque. Donc, Adonis est né d'une parenté divine. Alors, son père n'est pas un dieu, mais son grand-père est un dieu. Vous avez compris l'idée, c'est un demi-dieu. Et d'une femme mortelle, mais qui elle a aussi des parents divins dont ses ancêtres, enfin passons les détails. Adonis est un beau jeune homme, resplendissant, tout va bien pour lui.
Et puis un jour, ils tombent fous amoureux et réciproquement de la belle Aphrodite. Et ils ont une romance. Arès étant très très jaloux, il fait Arès qui était l'amant d'Aphrodite. Arès fait envoyer un sanglier. Ce sanglier va déglinguer Adonis. Adonis, il meurt. Il va direction les enfers. Là, la belle Perséphone le rencontre et en fait son amant. Donc Adonis était l'amant d'Aphrodite dans le monde des vivants et se retrouve l'amant de Perséphone dans le monde des morts. Sauf que Aphrodite est très malheureuse, alors elle intercède auprès de Zeus pour que celui-ci, enfin pour que Adonis puisse ressusciter. Et cela va marcher. Donc Adonis, chaque printemps, ressuscite. Chaque automne, il meurt. Et donc il passe 6 mois de l'année avec Perséphone dans le monde des enfers et 6 mois de l'année avec Aphrodite dans le monde des vivants. Il meurt, il ressuscite. Vous avez évidemment Dionysos Zagreus que j'ai cité tout à l'heure, Zagreus qui meurt, qui ressuscite en tant que Dionysos. Vous dire oui, mais c'est pas une résurrection, c'est une réincarnation. Et vous avez raison. Sauf que un petit peu plus loin dans l'histoire, toujours dans le cadre de l'orphisme du culte à mystère de Dionysos, Dionysos, qui a conscience de sa nature divine mais qui est dans un corps mortel, décide d'aller rendre visite à sa mère. À sa mère mortelle, Sémélée, mais aussi à sa mère divine, Perséphone, en l'occurrence. Donc pour cela, il va demander à un de ses copains, Persée, autre fils de Dieu, de le tuer. Tout à fait normal. Donc Dionysos est tué par Persée, il meurt, il va au royaume des enfers, il rencontre Perséphone, il acquiert la connaissance, et de là, ayant acquis la connaissance qui transcende le monde des vivants et des morts, il ressuscite dans son propre corps. Il est devenu un dieu à proprement parler, libéré de la souillure de la matière. Vous avez compris? Donc Dionysos en tant que tel, hein, pas Dionysos Zagreus, Dionysos en tant que tel, meurt et ressuscite. Vous avez Okuninuchi, au Japon. Okuninuchi, donc, qui est un demi-dieu lui aussi, si l'on faisait des comparatifs, il fait tout un tas d'épreuves, puis un beau jour, il doit affronter ses frères, mais il n'est pas équipé pour cela. Alors il décide d'aller prendre conseil auprès de son papère, de son père, hein, qui est le dieu Susanoo. Ce dernier, se trouvant en enfer, eh bien, Okuninuchi va devoir se rendre dans le monde des morts. Il meurt symboliquement, et une fois acquis de la connaissance des armes et tout un tas de trucs, il revient dans le monde des vivants, il ressuscite, et il va déglinguer ses 80 frères, en l'occurrence. Encore un dieu qui meurt et qui ressuscite. Et j'ai dit un dieu, mais un demi-dieu. Pour Okuninuchi, c'est un demi-dieu avant qu'il aille aux enfers. Avant qu'il aille aux enfers, c'est un demi-dieu, et il est un dieu pleinement quand il revient des enfers. Dionysos est un demi-dieu quand il va aux enfers. Et c'est un dieu complet quand il sort des enfers. Vous avez commencé à comprendre l'idée intéressante. Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, fils de Dieu, peut-être, il meurt, il ressuscite en Jésus-Christ, Dieu lui-même. Et là, on aurait la même symbolique archétypale, vous l'aurez compris, que Dionysos, ou que Okuninuchi, ou aussi que Avalokitesvara, on va en parler juste après. Pour le moment, poursuivons. Pourquoi la mort de Jésus est-elle obligatoire? Alors, on peut donner plusieurs réponses à cela. La première réponse, c'est celle, peut-on dire, de la religion publique, qui dit Jésus est mort pour faire l'expérience humaine, pour partager le sort des humains, la confrontation à la mort, mais il s'est sacrifié, un acte de don, absolu de soi-même, sacrifice complet, pour racheter la faute originelle, le péché de l'humanité, et les conduire vers le Père par la vérité. Ça, c'est la religion publique. Mais on peut aussi considérer que la mort de Jésus est l'acte ultime qui va faire de lui, qui va faire le passage entre Jésus de Nazareth, le prophète, et Jésus-Christ, le Dieu fait homme. Vous voyez l'idée. Enfin, le Dieu tout court, même en l'occurrence. Ensuite, vous avez la symbolique ésotérique de la résurrection. Alors là, évidemment, ça vous renvoie un petit peu à mes travaux littéraires de mon livre « Arcana Mundi, les rites d'initiation, histoire et tradition ». La symbolique ésotérique de la résurrection, c'est toujours plus ou moins la même. C'est ce qu'on va retrouver par exemple avec l'acronyme du vitriol « Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée », qui consiste à dire simplement « Le monde des morts, sur le plan symbolique, c'est le lieu des passions, c'est le monde chthonien, c'est le monde des démons ». Mais des démons de nous-mêmes, nos façons, tout ce qui est chaotique, tout ce qui est dangereux, violent et malsain. Or, comment peut-on transcender la divinité, atteindre l'état glorieux, l'éveil, sans avoir vaincu ces démons? Donc pour vaincre ces démons, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut les regarder en face. Il faut plonger au plus profond de son être, affronter le ça freudien, la bête, Thésée qui va dans le Minotaure pour tuer le monstre. Eh bien, Jésus, qu'est-ce qu'il fait quand il meurt? Eh bien, d'après les actes des apôtres, il va en enfer pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, il affronte peut-être ses démons. Et ensuite seulement, il a vaincu ses démons, l'homme peut devenir Dieu, si je puis dire. Et on a la même chose dans les rites initiatiques. Les rites initiatiques des traditions des cultes à mystère d'Éleusis, de Samothrace, culte à mystère de Dionysos, le tantrisme ésotérique Vajrayana, Shingon au Japon, dans le vaudou avec le rite du Kanzo, dans la franc-maçonnerie, chez les Rosicruciens, etc., etc. Le rite de mort et de résurrection symbolique est une scène symbolique qui a pour but de faire vivre cette expérience de catabase, le chemin dans les profondeurs de soi-même, afin d'accéder à la connaissance, de vaincre ses démons, de vaincre ses pulsions, de passer de l'état de l'homme à l'état de l'homme-dieu, tout simplement. Et là, on arrive à l'ascension du Père. C'est la suite du voyage. Jésus de Nazareth est mort, le Christ est né. Il va pouvoir atteindre le corps de gloire. Et on va voir s'il y a d'autres cas d'ascension céleste qui ressemblent. Tout d'abord, quelques extraits pour y voir plus clair. Dans Luc, puis il les conduisit hors jusqu'à Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut élevé aux cieux. Dans Pierre, c'est l'antitype du baptême qui maintenant nous sauve. Non comme l'ablation des souillures du corps, mais comme l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu, étant allé au ciel, les anges, les autorités et les puissances lui étaient soumis. Et d'autres extraits, pareil, que vous pourrez retrouver, bien évidemment, en replay. Donc, une fois que Jésus, l'homme, descend aux enfers, la mort, il affronte ses démons, il affronte les passions, il affronte ses vices, il affronte tous les tourments en lui, lavé de tout ceci, riche d'une nouvelle connaissance, il ressuscite, et de là, en ressuscitant, il n'est plus un homme, il n'est plus un corps mortel, il s'élève au corps de gloire, et donc il accède aux cieux, à l'état de l'homme devenu Dieu. Ça, c'est la lecture ésotérique, vous l'aurez compris. Maintenant, le corps de gloire, on peut l'illustrer par plusieurs éléments. Je vous ai dit tout à l'heure, vous rappelez, les disciples étaient dans une pièce, la porte était verrouillée, et tout d'un coup, Jésus, il apparaît dans la pièce. Comment est-il entré physiquement? Eh bien, peut-être que c'est une illustration, justement, une interprétation de cette idée du corps de gloire qui n'a pas de présence matérielle, mais qui l'a spirituellement, une sorte d'halo lumineux, une sorte de vision fantasmagorique de cet être qui a atteint un autre état d'existence. Peut-être que c'est ce qui expliquerait aussi le pourquoi Marie-Madeleine est interdite de le toucher. Quand elle le voit, elle veut le toucher, pendant ses bras, et Jésus lui dit « Ne me touche pas, femme, etc. Je ne suis pas encore monté vers mon père. Sous-entendu, je pourrais encore être souillé, être corrompu par la matière. » Or, à ce stade, il a ressuscité. Il en est libéré. Il a fait la catabase. Maintenant, il peut faire l'anabase, le chemin vers les cieux. Maintenant, y a-t-il d'autres cas d'ascension spirituelle qui ressemblent? Eh bien, oui. On va en citer 3. Celle d'Asclépios, que je vais résumer très rapidement puisque je l'ai cité tout à l'heure. Celle de Héraclès. Et celle de Avalokitesvara, Kuan Yin ou Kanon, suivant les pays comme on l'appelle. Alors, Asclépios, fils de Dieu, comme Jésus, a été foudroyé par Zeus, comme Jésus crucifié sur le Golgotha. Asclépios est en enfer, comme Jésus. De là, Asclépios fait ce qu'il a à faire. Il est riche de sa connaissance. Il est maintenant élevé dans les cieux par une anabase, comme Jésus. Et va pouvoir devenir la constellation du Serpentaire, comprenez une divinité céleste. Maintenant, plus intéressant avec Héraclès. Héraclès, demi-dieu, humain, divin, mortel néanmoins, il accomplit ses 12 travaux, il accomplit ses 12 épreuves, il fait le cycle messianique du soleil, et à la fin, il a la 13e épreuve. Il est touché, enfin, il y a eu un complot contre lui, bref, il se retrouve affublé d'une cape qui ne peut pas se retirer, qui a un poison extrêmement puissant, il souffre atrocement la mort de mille cieux, et donc, du coup, il décide de se suicider pour y mettre fin. En gros, il décide volontairement d'aller mourir, comme Jésus. Du coup, vous l'aurez compris. Et oui, c'est très important, Jésus décide de mourir. Héraclès décide de mourir, de la même façon. Et donc, de ce fait, Héraclès se met sur un bûcher, il s'immole par le feu. Sauf que, évidemment, là, il y a l'intervention. Vu qu'il a accompli toutes ses épreuves,
Eh bien, il est élevé aux cieux, il atteint l'apothéose. L'homme est mort, le Dieu est né. Comme Jésus, comme Asclépios. Pour Avalokitesvara Guanyin, c'est la même chose. Il y a Miaoshan, petite femme tranquille, très pieuse, qui fait sa vie, qui un moment va mourir. Quand elle se retrouve morte, elle se retrouve en enfer. Elle prie pour les âmes, elle combat ses démons, elle combat les passions, au point que même les enfers ne veulent plus d'elle. Alors ils sollicitent les Bouddhas et Bodhisattvas pour la renvoyer sur Terre. Cette dernière est renvoyée sur Terre. Elle ressuscite, donc. Mais ça ne s'arrête pas là. Elle a vaincu ses passions, elle a acquis l'état quasiment de pureté, de la conformité au dharma, elle a atteint quasiment l'éveil. Mais elle n'a pas encore fait l'ascension céleste. Celle-ci interviendra un peu plus tard, après d'autres actions, au moment de sa mort, au moment de son grand âge. Elle ne va pas mourir dans une fin apocalyptique, pas une fin terrifiante comme Jésus ou Héraclès. Elle va mourir de sa belle mort, tranquillement. Mais au moment de sa mort, tous les Bouddhas et tous les Bodhisattvas viennent à ses funérailles, et c'est à ce moment-là que Miaoshan devient Kuan Yin, Avalokitesvara, grande Bodhisattva de la compassion, et la plus révérée en Chine et au Japon. Et oui, c'est la même chose. Miaoshan, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, Avalokitesvara. Vous avez compris l'archétype. Maintenant, vous l'aurez compris, on peut considérer à ce stade que Jésus est en réalité, sur un plan ésotérique, un modèle initiatique. Faisons la comparaison du bilan archétypal de tout ceci. Alors, j'ai pris volontairement 7 personnages pour faire le bilan comparatif. J'aurais pu en prendre d'autres, j'en ai pris certains qui sont marquants, qui sont bien connus, et surtout que j'ai cités à de nombreuses reprises dans cette émission. On va analyser 10 points. Sont-ils fils de Dieu? Sont-ils de nature humaine? Sont-ils de nature divine? Sont-ils thaumaturges, comprenez guérisseurs avec des pouvoirs de type miracle? Ont-ils un rôle messianique? Ont-ils un symbolisme solaire? Sont-ils porteurs de lumière, porteurs de connaissances? Sont-ils rédempteurs, au sens rédempteur qui prend sur lui les péchés de l'humanité, hein, je précise. Font-ils une catabase, c'est-à-dire un voyage de mort et de résurrection symbolique? Font-ils une anabase, c'est-à-dire une ascension céleste? Au niveau du premier champ, fils de Dieu, tous sont fils de Dieu, sauf Avalokitesvara, qui n'est pas spécifié, de toute façon le principe de divinité n'existe pas spécifiquement dans le bouddhisme, donc Avalokitesvara ne correspond pas. Au niveau de la nature humaine, tous les personnages sont de nature humaine, sauf Balder et Mitra, qui sont fils de Dieu, mais qui ne sont pas de nature humaine. Ensuite, nature divine, tous sont de nature divine, d'une façon ou d'une autre, par au moins un des parents, ou à un moment de leur ascension. Tous sont thaumaturges, sauf Héraclès, Balder, Mitra et Adonis, où ce n'est pas mentionné. Pas mentionné ne veut pas dire que ça n'existe pas dans ce cas présent, mais on n'a pas d'éléments spécifiques qui suggèrent qu'ils sont thaumaturges. Rôle messianique, Héraclès n'a pas spécifiquement de rôle messianique, il n'est pas sauveur de l'humanité. Adonis non plus n'est pas sauveur de l'humanité, il est plutôt une allégorie du cycle des saisons. Symbolisme solaire, Jésus, Dionysos, Héraclès, Balder, Mitra et Adonis ont un symbolisme solaire, Krishna n'en a pas spécifiquement, et Avalokitesvara non plus. Porteur de connaissances ou porteur de lumière, Jésus, Dionysos, Krishna, Avalokitesvara, Mitra, bien entendu, Héraclès, Balder et Adonis ne sont pas spécifiquement des porteurs de connaissances. Rédempteur, il n'y a que Jésus. C'est le seul à prendre les fautes de l'humanité sur ses épaules à lui. Catabase et mort et résurrection symbolique, tous meurent et ressuscitent, sauf Krishna, qui ne ressuscite pas, il est élevé aux cieux tout simplement, et Mitra, qui a une naissance miraculeuse, mais qui ne meurt pas et ne ressuscite pas symboliquement. Ça, c'était une erreur que j'avais faite dans ma vidéo il y a 6 ans et demi, en disant que Mitra mourait et ressuscitait, ce n'est pas exact. Mitra a une naissance miraculeuse et une ascension céleste spécifique, mais il n'est pas mort et ressuscité. Ensuite, l'anabase, l'ascension céleste, eh bien, tous font une ascension céleste d'une façon ou d'une autre. Donc, pour faire un bilan comparatif, Jésus, sur les 10 catégories, a évidemment les 10 points, puisqu'il est le point d'épicentre sur lequel j'ai fait cette recherche. Dionysos correspond à 9 points, 9 points. Il est tout comme Jésus, tout pareil, sauf qu'il n'est pas rédempteur, au sens qu'il ne prend pas les péchés de l'humanité sur ses épaules. Krishna correspond à 7 points, Avalokitesvara à 7 points, Héraclès, Balder, Mitra et Denis correspondent à 6 points de ce classement, au point que l'on peut considérer, vous l'aurez bien compris, que la figure de Jésus-Christ est un archétype qui a été constitué en reprenant les archétypes qui existaient préalablement pour composer le Dieu parfait adapté au nouveau véhicule religieux de l'époque, qu'est le christianisme. Jésus-Christ est un archétype, ou plutôt une multitude d'archétypes constitués, ce qui ne veut pas dire pour autant que Jésus de Nazareth n'existe pas, que Jésus de Nazareth ait possiblement proposé un message, un enseignement
qui est propre pour le coup. C'est bien la seule chose qui change, c'est l'enseignement spécifique proposé par Jésus de Nazareth, ou du moins par ceux qui ont écrit sur sa vie, et ensuite on a fait de ce personnage cet archétype, qui est préexistant. Après, on peut considérer que c'est réel, que c'est la vérité, là on entre dans la croyance, mais plus dans l'anthropologie. Or, je me suis livré, comme vous l'aurez compris, à une étude anthropologique, sans prendre en compte le phénomène de croyance, ou même de non-croyance. C'est simplement une observation comparative de la figure de Jésus-Christ avec tous ses semblables. Et bien sûr, une petite conclusion tout à fait personnelle, qui se formulera sous 2-3 phrases. Préalablement, avant de le citer, je mets une petite barre dans le chat pour vous inviter à poser des questions si vous le souhaitez. Donc, conclusion, la vérité, à mon sens, c'est ma vérité à moi, comprenez-le, sur Jésus-Christ. La version exotérique, religion publique. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Traduction, croyez en Jésus, car c'est lui et lui seul qui peut vous sauver. Dans une perspective ésotérique, on pourra dire inversement, Jésus est un homme, comme vous, comme moi, qui retrouve ou réveille sa nature divine en lui. Il rétablit sa connexion personnelle avec le divin. Et c'est un modèle initiatique en ce sens. En ce sens, Jésus est une figure possiblement historique, et l'état de Christ est un archétype symbolique ou le modèle initiatique propre au christianisme ésotérique. Et vous pourrez, suivant votre convenance, utiliser tout pareil le terme de Dionysos, le thème de Krishna, le thème de Bodhisattva, tout simplement. Ça sera la même chose que le titre de Christ. Christ n'est pas un nom, c'est un titre qu'on accole à un personnage. En gros, Christ, c'est comme si vous disiez Bouddha, dans le bouddhisme, l'être éveillé qui a restauré sa connexion avec le divin, le parfait, le nirvana, le Tao, vous l'appelez comme vous voulez. Dans le taoïsme, on appelle ça les immortels taoïstes, c'est le titre. Immortel taoïste, c'est la même chose que le titre Christ. Le mot Christ a été accolé sur le personnage de Jésus. Maintenant, y a-t-il que Jésus qui est possiblement atteint cet état? Non, on peut considérer que Asclépios est le Christ, que Dionysos est le Christ, que Avalokitesvara, que Biaoshan est le Christ, que Balder est le Christ, que Persée, d'une certaine façon, pourrait même être le Christ, que Mitra est le Christ, que Héraclès est le Christ. Le Christ devient un symbole qui dépasse largement le cadre du christianisme, qui devient un mot pour dire l'être éveillé qui a rétabli la connexion avec le divin et qui a atteint le statut d'homme-dieu, tout simplement. Voilà pour cette émission que je vais proposer sur l'archétype de Jésus-Christ, ou plutôt les archétypes symboliques de Jésus-Christ. J'espère ne pas avoir offensé vos croyances. Si tel est le cas, je m'en excuse. Ce n'est pas mon objectif. J'essaie de me détacher du sujet croyance, encore une fois, pour proposer ce type d'intervention. Néanmoins, même si certains de mes propos peuvent vous heurter, ayez bien conscience que ce n'est pas mon objectif. De ce fait, je vous demanderai la même tolérance à mon égard, d'être respectueux dans vos propos, dans les commentaires, dans vos opinions. Vous avez le droit d'être en désaccord, vous avez le droit de l'écrire dans vos commentaires a posteriori sur l'émission, bien entendu. Je lirai avec grand plaisir, mais évidemment, si vous commencez avec des insultes, ça va mal se mettre, bien entendu. Et si vous commencez en faisant du prosélytisme, en disant « tu iras en enfer, tu la vérité, c'est Jésus, Jésus est la vérité, et puis c'est comme ça, et puis c'est rien d'autre », évidemment, ça va aussi mal se mettre. Vous voyez l'idée. On peut tout dire, on peut tout se dire, on peut partager tous les points de vue, quels qu'ils soient, sous réserve qu'il soit fait avec bienveillance et ouverture d'esprit au possible. C'est ce que j'ai essayé de faire, bien entendu. Sur ce, maintenant, je vais aller voir vos questions. Je remets une petite barre. Non, j'en avais déjà mis une barre. Donc, je vois que certains ont déjà commencé à écrire les questions. Si vous avez la possibilité d'écrire question en gros avec un petit arrobase ou un hashtag devant, cela me faciliterait grandement l'existence. Je vous reposte le lien du Tipeee dans le chat, et je vais également vous partager la prochaine Academia, donc avant de prendre vos questions, l'Academia qui sort ce mois-ci, donc en l'occurrence le 24 avril, disponible à la précommande. Ce sera le deuxième épisode du cycle de la tradition primordiale. Alors le premier épisode, donc c'est un cycle de trois émissions, hein. La première émission est sortie en février, la deuxième sort ce mois-ci, donc en avril.
La troisième mission sortira uniquement en juin. Et donc cette vidéo sera la suite de la première. On va toujours parler du sujet de la tradition primordiale, mais on va l'aborder sous un nouvel angle. La première fois, je l'ai abordé sur le plan de la recherche de la religion première de l'humanité, la religion primordiale. Et bien là, on va parler du concept de première civilisation, la première civilisation de l'humanité, la civilisation primordiale, s'il y en a une, qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut l'interpréter, comment on peut la rechercher. Et on va comparer l'architecture des bâtiments, on va comparer les rites des bâtiments, on va faire une chronologie de l'histoire des civilisations, on va voir le matériel archéologique, historique, etc. Et voilà, vous verrez tout ça pour ceux qui voudront y avoir accès sur le Tipeee. Alors, revenons à nos moutons de ce jour, les figures christiques et vos questions en ce sens. On est pas mal niveau timing, j'ai été un petit peu moins long que prévu, puisque ça fait que 2h10 qu'on est en direct. Donc, on va avoir un petit peu de temps pour les questions. Alors, question de Elros. Est-ce que le principe de l'Immaculée Conception est un facteur spécifique à Jésus-Christ? Ou est-ce qu'il y a d'autres exemples de ce genre de conception? Alors, l'Immaculée Conception, c'est l'idée que Marie, pour pouvoir enfanter de Jésus plus tard, a été conçue elle-même sans péché. Alors, comprenez que le culte de l'Immaculée Conception, enfin le dogme de l'Immaculée Conception, il n'est apparu en réalité qu'au XIXe siècle. Ce n'est pas du tout quelque chose qui remonte au temps de l'Antiquité ou même au Moyen-Âge. Le dogme de l'Immaculée Conception a été entériné par la papauté suite à des visions et des révélations, notamment de Bernadette de Soubirous à Lourdes en passant. Donc le dogme de l'Immaculée Conception, c'est spécifique au XIXe siècle. On n'a pas spécifiquement d'équivalent, à ma connaissance, mais je te dis ça de tête, je prenne le temps de chercher spécifiquement, bien évidemment, mais à ma connaissance, on n'a pas d'équivalent. En revanche, c'est un dogme extrêmement récent. Voilà, construction très actualisée, si je puis dire. Alors, Charles, c'était pas à moi qu'on parle, non. Boris Cochard pose une question. La Bible égale un code de conduite, point d'interrogation, pour bien manipuler les hommes, les canaliser pour qu'ils évitent de faire de grosses bêtises. C'est pas valable que pour la Bible, c'est valable pour tous les systèmes religieux. Un système religieux, c'est toujours un... Une religion, c'est quoi? Même pas que le christianisme, judaïsme, islam. Hein. Une religion, c'est quoi? C'est un ensemble de croyances. Voilà, un ensemble de croyances, une divinité, plusieurs divinités, peu importe, un ensemble de croyances. Des rites en rapport avec ces croyances. Donc des rites, c'est-à-dire des choses à conduire. Une cérémonie tel jour, telle année, tel moment, telle chose à faire, telle prière, etc. Donc des rites. Et évidemment, un code éthique et moral. Toutes les religions ont ça. Que ce soit le chamanisme le plus ancien, que ce soit le totémisme, que ce soit le bouddhisme, que ce soit l'hindouisme, l'islam, le christianisme ou le vaudou, toutes ont un code éthique et moral. Histoire d'encadrer la vie sociale des humains. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord, mais aujourd'hui, par exemple, dans une société laïque comme la France, en France, le religieux est séparé de l'État, donc les codes et les modes de vie religieux n'ont pas à interférer, du moins vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé de vous cogner le carême ou le ramadan, et encore heureux. En revanche, le pays, il a des lois, et ces lois ont pris la place, ou ont remplacé, ce qui était avant les codes de conduite éthique et moraux des religions, tout simplement. Donc on pourrait dire, d'une certaine façon, en caricaturant, que nos codes de loi sont un substitut qui permet à l'humanité de tenir debout et de ne pas s'entretuer pour tout et n'importe quoi en légiférant. En ce sens, les religions ont tenté de faire plus ou moins la même chose au gré du temps, en bien ou en mal, avec des excès, avec des trucs qui sont tout à fait largement critiquables. Je les ai critiqués, je crois que c'était en février dernier, j'avais fait une émission « Peut-on encore parler de religion ?» Et on avait tout un propos sur l'adaptation des religions au monde moderne, mais les religions ont tenté de le faire, à tort ou à raison, en bien ou en mal, avec succès ou pas d'ailleurs, mais elles ont tenté de le faire. Alors, je descends. Acide crash. Question. Il paraît que l'alcool était avec des plantes psychédéliques délirogènes. Coïncidence? Que Dionysos et Jésus soient si proches et les deux rapport avec le vin et l'alcool. Je traduis un peu ta question parce que j'ai du mal à la lire, excuse-moi. Clairement, hein, c'est-à-dire que le rapport entre le vin
qu'on retrouve dans le culte dionysiaque et qu'on retrouve avec Jésus, il est passablement évident. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez Dionysos, le dieu du vin, mais c'est surtout le dieu de l'extase, mais au sens l'extase mystique. Et donc l'enivrement permet de. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le culte de Dionysos, on sacrifie des bestioles, on boit du vin. Qu'est-ce que fait Jésus? Il offre son corps, son sang, symboliquement. Mais on ne boit pas le sang de Jésus, on boit du vin. Comme avec Dionysos. Après, il y a le dogme de la transsubstantiation, qui dit qu'en gros, le sang, le vin que vous buvez dans la coupette, le vin, devient réellement le sang de Jésus. Mais là, c'est du domaine de la croyance, ça ne me regarde plus. Donc, ok, le dogme de la transsubstantiation au point de vue de la croyance, mais sur un plan de vue anthropologique et sur un plan d'étude des rites, surtout des coutumes religieuses, bah, on aperçoit que les disciples de Dionysos picolent du vin et que les disciples de Jésus picolent aussi du vin, si vous voyez l'idée. Et évidemment, c'est plus ou moins la même chose, et surtout, c'est le même objectif, plus ou moins. Question de Baptiste. Du coup, quel est le Christ primordial historiquement pour conclure? Ah, ça c'est une vraie bonne question. Y a-t-il un Christ primordial? Là, on parle pas de Jésus, hein, on est bien d'accord. On parle du Christ, c'est-à-dire le titre Christ. Un Jésus primordial, un Christ primordial. Peut-être, disons que ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que Dionysos est plus vieux que Jésus, Mithra est un peu plus vieux que Jésus, Avalokitesvara est plus vieux, à peu près les mêmes dates que Jésus, Krishna est un petit peu. Ah, c'est pas beaucoup. Dans Krishna, c'est pas beaucoup, mais c'est pas plus vieux que Jésus. Donc Dionysos, Héraclès, c'est beaucoup plus vieux, Orphée, c'est beaucoup plus vieux, Okuninuchi, c'est pas forcément plus vieux, pour le coup. Mais en tout cas, on a des figures grecques ou éventuellement Osiris, même Osiris est plus vieux encore, qui pourrait sur certains points se rapprocher de ce concept. Le Christ primordial, il a sûrement existé du temps où les hommes étaient chasseurs-cueilleurs, ça nous renvoie au sujet de la tradition primordiale notamment, mais on ne peut pas l'identifier, bien évidemment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on donne des titres, c'est tout simplement pour ça. Christ, c'est pas un prénom, c'est pas un nom, c'est un titre pour qualifier un état, celui de l'homme-dieu. Question de Dumkek. Bonsoir. Est-ce que selon toi, dans le Nouveau Testament, Jésus ne dit pas qu'il est le Fils unique de Dieu? Qu'en est-il de ta compréhension de ce que peut être le Fils de Dieu? Oui, tu mets le point sur un élément essentiel. Alors, à titre personnel, hein, j'insiste toujours sur mon avis. Quand c'est le mien, j'essaie de vous le dire avant. Dans les questions, c'est toujours à peu près mon avis, vous me direz. Sur la question. Est-ce que Jésus dit qu'il est fils de Dieu, ou d'autres lui disent tu es le fils de Dieu, etc. Peu importe. Mais sous-entendu, il y en a peut-être d'autres. Tu mets le doigt, à mon avis, sur l'élément essentiel. Quand Jésus dit je suis le fils de Dieu, c'est pareil pour les autres. Il est le fils de Dieu, sauf que lui, il en a conscience. Et les autres n'en ont pas conscience. Et moi, c'est comme ça que j'en fais la lecture. Je considère que quand Jésus dit je suis le fils de Dieu, il dit c'est mon cas, mais c'est le cas de tout le monde. C'est comme ça que je le lis. J'irai même plus loin. Quand la phrase de l'évangile de Jean dit. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Quand il dit ça, il y a l'idée, oh, faut vénérer Jésus, faut prier Jésus, parce que si on ne prie pas Jésus, on va pas aller au paradis. Mais à mon sens, en disant par moi, par cet état christique, sous-entendu, moi j'ai fait le chemin, faites le même chemin, et du coup, il vous arrivera la même chose. C'est comme ça que je l'interprète, bien entendu, évidemment. Maxime Pascal, question, est-ce que l'existence de la Vierge Marie est prouvée historiquement, car à mon sens, elle a été créée pour rendre la nature de Jésus divine et accessible? Non, l'existence de la Vierge Marie sur un plan purement historique n'est absolument pas prouvée. Sur un plan historique, hein, comprenez-le, on ne parle pas de foi. Pourquoi? Parce que les sources romaines n'en parlent absolument pas. Il faudra attendre longtemps pour qu'il y ait des sources sur Marie, évidemment. Et puis, c'est complètement déconnecté des événements. Donc, que Jésus de Nazareth ait une maman, c'est hautement probable. Qu'elle s'appelait Marie ou Mariam ou un nom, c'est tout à fait possible. En revanche, oui, à mon sens, il est probable que la construction du personnage de Marie soit une explication à la nature divine de Jésus, en partie. La maison de pain, Bethléem, la constellation de la Vierge, tout un tas de rapports symboliques que j'avais fait dans ma première émission, et ça je vous y renvoie bien entendu. Non, je pense que le personnage de Marie, on n'a aucune preuve historique. Bon, là, on est uniquement dans l'ordre de la croyance, et puis c'est pas grave, pas de problème.
Question de Blob. Pourquoi dis-tu qu'on ne peut pas percevoir la Bible comme un enseignement kabbalistique? Je commence à l'instant un ouvrage décryptage kabbalistique de la Bible. Alors, déjà, premier point, quand je dis qu'à mon sens, on ne peut pas percevoir la Bible comme un enseignement kabbalistique, ceci est mon point de vue. On a le droit d'en avoir un autre. Pourquoi je dis ça? Parce que la Kabbale répond à des codifications précises et la Kabbale ne parle pas de Jésus. Et que du coup, les évangiles ne font que parler de Jésus. Donc du coup, quand on est dans la Kabbale hébraïque, la Kabbale, on parle de la Ein Sof, on parle des Séphirah, on parle de tout un chemin d'élévation spirituelle et mystique divers et variés. Dans la Kabbale hébraïque, on parle même parfois de réincarnation, de la Shekinah, de la présence divine et tout ce que l'on veut. Mais les éléments qu'on trouve dans la Kabbale, on ne les trouve pas spécifiquement sur un plan théologique dans les évangiles. Et ce qu'on trouve dans l'évangile, surtout, on ne les retrouve pas dans la Kabbale. Tout simplement. Après, à partir du 15e siècle, fin 15e, début 16e, on va avoir un courant qui s'appelle la Kabbale chrétienne, qui reprend la Kabbale hébraïque et qui la réinterprète au regard du christianisme. Donc, en effet, si on parle de Kabbale chrétienne, on peut interpréter les évangiles, évidemment. Mais on n'est pas dans la Kabbale hébraïque du Sefer Yetzirah, du Sefer Abahir ou du Sefer HaZohar. C'est deux choses distinctes. À mon sens, ce n'est pas du tout la même chose. Si d'autres ont des interprétations en ce sens, pourquoi pas ? Question de Lélian. La réincarnation a-t-elle existé pour les judéo-chrétiens ? Alors, pas pour les catholiques, pas pour les protestants, pas pour les orthodoxes, pas pour les juifs, pas pour les musulmans non plus, mais la réincarnation existe pour les cathares, par exemple, donc une sorte de gnose chrétienne, du gnosticisme chrétien réactualisé au Moyen-Âge. Croyez à la réincarnation aussi certains courants gnostiques de l'Antiquité, le gnosticisme, donc les Valentiniens, les Basilidiens, les Zophites, les Corpocrates, les Barbélo-gnostiques, croyaient tous à la réincarnation. Donc l'immense majorité des chrétiens ne croient pas à la réincarnation, mais on a des courants chrétiens qui ont cru à la réincarnation, en l'occurrence. Ça existe, c'est minoritaire, mais ça existe. En revanche, le point commun est que ceux qui voient le concept de réincarnation voient Jésus comme un homme qui a transcendé sa nature humaine et atteint l'état divin, ce qui est le propre de la gnose chrétienne en l'occurrence. Question de Mitzerev. Penses-tu que l'âme du Christ, j'imagine que tu fais référence à Jésus-Christ plus spécifiquement, soit la plus élevée parmi ceux qui ont marché sur la terre? Évidemment, la réponse que je vais te donner est de fait totalement subjective, parce que je n'ai pas la foi en le christianisme, donc de fait je ne suis pas chrétien, que je ne crois pas spécifiquement en Jésus-Christ au sens de son message, je ne me sens pas proche de cette idée, et donc à titre personnel, je ne crois pas que Jésus-Christ était le type le plus exceptionnel de la Terre, c'est mon point de vue. En revanche, si on étudie l'archétype, hein, je dis bien l'archétype christique, bah, moi je ne suis pas très sensible à l'archétype quand il prend le visage de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, j'aime pas son look, j'aime pas son nom, je suis pas très proche de la façon de communiquer de Jésus-Christ, c'est pas quelque chose qui me parle. En revanche, je préfère largement plus un Dionysos, ou encore plus un Okuninuchi, ou encore plus une Guanyin, Valokiteshvara. Donc du coup, j'ai des figures qui me parlent plus, qui véhiculent sensiblement la même idée au niveau archétypal, mais dont je me sens plus proche, par la représentation, l'environnement, etc., tout ça. Et puis, surtout, il y a quelque chose qui fait que je ne me sens pas du tout proche de la pensée de Jésus-Christ, c'est l'idée qu'il rachète les péchés de l'humanité. Moi, je n'aime pas là, je suis toujours dans le point de vue totalement personnel, hein. Je n'aime pas ce point de vue parce que j'estime que Jésus-Christ fait le travail à notre place. Or, moi, je suis partisan de la méritocratie. J'estime qu'on n'a que ce qu'on mérite. Et donc, de ce fait, je considère que le chemin, je vais le faire moi-même, en acquérant par moi-même le chemin de la connaissance, etc. Donc j'estime que le Christ, c'est bah, en gros, croyez en moi, je vous ai sauvé, c'est bien, vous n'avez plus rien à faire, tout va bien, tenez-vous bien, respectez le code, le commandement, et filez tout droit, et vous êtes sauvé grâce à moi. Je n'aime pas devoir mon salut grâce à quelqu'un d'autre. Donc du coup, je ne veux pas vénérer une entité pour mon salut. Je veux mon salut par moi-même, dans mon modèle de croyance. Du coup, je ne me sens pas proche de la figure de Jésus-Christ, et de ce fait, vu cette analyse que j'en fais du Christ au sens Jésus-Christ, non, pour moi, c'est pas du tout l'être le plus élevé de l'histoire de l'humanité. Mais comprenez que c'est que mon point de vue, et ça n'engage que moi, de ce fait. Et puis, je comprends tout à fait que pour des milliards d'individus,
il est la personne ou le personnage ou la figure la plus importante de cette planète. Et je respecte totalement votre point de vue, et c'est un grand plaisir de discuter de ce sujet, en l'occurrence. Voilà, vous comprenez, c'est hyper difficile comme question. Là, je réponds, mais vous rendez compte de dire, bah non, je trouve pas que le Christ soit l'être le plus exceptionnel de la Terre, faut pas que ça vous vexe, c'est juste que je suis pas chrétien, donc forcément je vais pas dire Jésus, vous vous doutez bien. Allez, encore quelques questions, on a du temps. La question de Maxime Pascal. Pour toi, qu'est-ce qui a le plus de sens entre la réincarnation et la métempsychose? Alors là, tu me poses une colle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me pose la question. Je serais tenté de dire la métempsychose à froid, mais faudrait vraiment que je prenne le temps de la réflexion. Faudrait que je fasse une émission sur ça un jour, d'enquêter, de passer du temps à me torturer le cerveau sur l'étude de qu'est-ce qui me semble le plus cohérent. Je crois plus ou moins au système de réincarnation, sans certitude, mais je suis plutôt client du modèle réincarnationniste. Mais en revanche, sans dissocier trop du concept de métempsychose, donc du coup, j'aurais pas de réponse à te donner à l'état. Sur mes croyances propres, hein, j'entends, hein, sur l'étude objective de ce que c'est, oui, mais voilà. Alors, je descends tout en bas, voir s'il y a d'autres questions. Si vous écrivez pas questions devant, je vois pas si c'est des questions, donc au bénéfice du doute. Boris, tu me dis que tu as répondu à la question. Mais oui, tu as répondu, mais tu donnais les définitions de métempsychose et de réincarnation. Je suis d'accord avec ta définition, c'est pas la question. L'idée, c'est qu'est-ce que je préférerais ou que je crois plus, c'est au point de vue de mes préférences et de ce que je pense et la réalité que je ne pouvais pas répondre. C'était pas au niveau des définitions. Alors, ça c'est pas pour moi, du coup je remonte un petit peu. Tiens, une question de Boris qui était plus haut. Quelle différence profonde fais-tu entre Jésus, fils de Dieu, et Raël, le messager des extraterrestres, et Sylvain Durif, le Christ cosmique avec sa flûte de Pan? J'espère que vous avez vu ma vidéo humoristique du 1er avril sur notre cher ami Sylvain, d'ailleurs, sur la chaîne secondaire, pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui auraient envie d'un petit moment de détente, mais basé sur une histoire vraie quand même. Bon, trêve de plaisanterie, revenons à notre sujet. Quelle différence profonde fais-tu entre Jésus, fils de Dieu, et Raël, messager extraterrestre, et Sylvain Durif? Ben, le problème étant qu'à un moment, quand on a un individu qui est là, qui dit « Moi, mon individu, ma personne, suis en contact avec les Elohim venant de Alpha du Centaure ou d'une galaxie lointaine, moi, individu, suis en contact avec Allah. Moi, individu, suis en contact avec Dieu, comme Moïse, par exemple. Moi, individu, suis en fait le fils de Dieu, au sens je parle à Dieu, puisque j'entends, puisque c'est moi. Comment vous jugez de la pertinence de ces propos? Vous voyez l'idée? Des gens qui ont dit ça, il y en a eu plein. Il n'y a pas que ceux qui sont restés dans l'histoire. Il y en a eu des myriades et des myriades de gens qui ont pensé ou cru, ou qui était vraiment, je ne peux pas trancher, être en contact avec une entité divine. En fait, on ne connaît que ceux qui ont réussi à faire croire à d'autres que c'était vrai. À faire croire qu'ils aient raison, qu'ils aient tort. Comprenez, je me suis mes propos. Je prends toujours l'exemple avec Moïse. Moïse, ben non, on va prendre Jésus, c'est une mission sur Jésus, qu'est-ce que je dis moi. Imaginons que Jésus croit être Dieu lui-même, et que ça soit pas vrai, imaginons. Il a réussi à convaincre une troupe de personnes que ce qu'il disait était vrai, même si c'était faux. Et ces gens ont répandu sa religion. Et donc, on est resté dans l'histoire. Maintenant, cas numéro 2, ce qu'a dit Jésus est la vérité. Et il a réussi à convaincre des gens que son message était vrai, tant mieux, et ils ont répandu sa religion. Maintenant, prenons un troisième cas, prenons un type qui était juste à côté de Jésus, que personne ne connaît, dont vous ne connaissez pas le nom, mais qui disait exactement la même chose que Jésus, pas très loin, il disait « Moi, je suis le fils de Dieu », et il a répondu un message. Il a trouvé trois disciples, pas de bol, tout le monde est mort, il n'a pas pu répondre son message, il n'est pas resté dans l'histoire. Objectivement, c'est comme ça qu'on étudie. Donc, quelle est la différence entre Jésus, entre Raël et Sylvain Durif? Les trois prétendent être en contact ou être incarnés de quelque chose qui les dépasse, ou qui est d'ordre du divin.
Les trois affirment cette vérité. Les trois tentent, ou ont tenté, d'avoir des disciples. Jésus a sacrément bien réussi, Raël a réussi, Sylvain Durif, un peu moins, en l'occurrence. Vous voyez l'idée ? Comprenez, je ne suis pas là pour juger de la pertinence des discours de chacun. Je dis juste, simplement, que toute personne peut prétendre quelque chose, et si elle arrive à convaincre d'autres personnes que c'est un état de fait, on en arrive à une religion qui peut faire 1, 2, 3 milliards d'individus, etc. Vous voyez l'idée ? Voilà. C'est comme ça que ça marche. À tort ou à raison, hein ? Question de Isir. Sous les clous, ça empêche d'écrire. C'était pas pour moi. C'était un message rigolo. Question de Patricia Lhomme. Question, Melchizedek est-il un autre aussi le Christ ? Non, je pense pas que les figures soient très semblables. Melchizedek, c'est un personnage encore différent, qui apporte un état de connexion particulier avec le divin à un moment donné, sans pour autant suivre la voie clairement établie. C'est un autre personnage, mais assez anecdotique en fait dans la Bible. C'est juste dans la Kabbale, on en a fait tout un personnage complexe. Mais non, Melchizedek, à la base, on n'a pas de rapport direct avec l'archétype du Christ. Il répond pas aux archétypes du Christ, en plus, qu'on a vu dans l'émission. Allez, une dernière question que je vais voir, que je cherche. Ah, question de Soussou. Tu me demandes, Jésus savait lire et écrire, pourquoi n'a-t-il pas laissé d'écrit ? Comment veux-tu que je réponde à cette question ? Je peux émettre des hypothèses. La première hypothèse, c'est que peut-être que Jésus ne savait pas écrire. Ben oui, parce qu'on a des preuves absolues que Jésus savait lire et écrire. On n'a pas dans l'absolu. Alors on va dire, il est Dieu, donc il sait tout. S'il sait tout, là, ça change le registre, évidemment. Mais c'est de l'ordre de la croyance. Donc, première option, sur un plan plus anthropo, il savait pas lire et écrire, donc il n'a pas écrit. Réponse possible. Deuxième réponse possible, il savait écrire, lire et écrire, sauf qu'il considérait que la tradition orale et que la tradition de maître à disciple était plus intéressante pour une transmission authentique. Et donc il a fait le choix de ne pas écrire. Pourquoi pas ? Il y en a d'autres qui font ce choix. Donc hypothèse 1, il ne savait pas. 2, il ne savait pas lire et écrire. Hypothèse 2, il préférait la transmission orale. Hypothèse 3, il avait tellement de choses à faire, il n'est pas mort très très vieux, il n'a pas eu le temps. Prenez un exemple très 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 bête, et ne croyez pas que je me compare au Christ, loin de là. J'ai écrit mon premier livre qui est sorti en l'année 2020. Donc en 2020, j'avais l'âge de 36 ans. Donc j'écris mon premier livre à 36 ans. Techniquement, Jésus est censé être mort à 33. C'est vachement tôt. Donc du coup, il y a plein de gens qui n'ont pas écrit de livre avant cet âge-là, même en ayant des trucs à dire, si je puis dire. Voilà, c'est des réponses possibles, mais c'est complètement hypothétique tout ça. Allez, je vois s'il y en a une dernière qui était tombée. Je t'aime, Arcata, tu me berces. Mais merci beaucoup pour ton message. En plus, tu as un végéto. Joli surnom, végéto Sama, l'honorable végéto. Allez, question tout en bas. Allez, je la prends. Et puis ça sera parfait, puisque ça ouvre sur le cycle. AK84, bonsoir Ludo. Que penses-tu de l'interprétation de Blavatsky et de Guénon sur la tradition au sens primordial, j'imagine, complémentaire ou opposé? Merci. Les ouvrages de Blavatsky et Guénon, tout comme les autres théoriciens de la tradition primordiale, si l'on peut dire, reprennent des éléments du christianisme. Je te réponds de cette façon parce que je veux rester dans le cadre de mon émission. Reprend des éléments du christianisme, reprend des éléments du bouddhisme, de l'hindouisme et de traditions diverses et multiples. L'idée, c'est que ces personnes, quand ils recherchent la tradition primordiale, ils recherchent à trouver les liens, les éléments communs dans les différents systèmes de croyances. Donc, de ce fait, pour des personnes comme par exemple Alice Bailey, elle reprend la figure du Christ, mais qui dépasse largement le cadre de Jésus de Nazareth. Elle reprend la figure du Christ avec l'idée qu'il est le feu cosmique incarné. Tu vois l'idée ? Les théoriciens de la tradition primordiale ne vont pas se priver d'utiliser la figure de Jésus-Christ. Moi-même, quand je travaille sur la tradition primordiale dans mes recherches, je pourrais, si je le souhaitais, dans mes cadres ésotériques privés, je pourrais utiliser la figure de Jésus-Christ en tant qu'archétype du feu sacré. Sauf que je préfère utiliser d'autres archétypes qui me parlent plus au niveau sonorité, au niveau symbolique, au niveau mythique, etc. Donc voilà pourquoi je n'utilise pas Jésus-Christ. Ça pourrait se faire. Et donc oui, il est central dans les cadres de la tradition primordiale, du moins de ceux qui la théorisent, bien sûr. Du moins, l'archétype du Christ, beaucoup plus que Jésus de Nazareth, si je puis dire.
Voilà tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. On est à 2h35 d'émission, cela me semble pas mal du tout, du tout. Vous avez été nombreux ce soir pour suivre ce direct, presque 600 personnes, donc c'est vraiment pas mal du tout pour une émission en live. Je vous reposte une petite fois encore le Tipeee, bien évidemment, pour ceux qui auraient le désir de soutenir la Web TV, qui en ont les moyens, la possibilité. Si vous aimez bien mon travail, eh bien je vous rappelle que mon travail n'existe que grâce à votre soutien. En contrepartie, ça vous donnera accès à l'Academia, l'épisode 2 sur la tradition primordiale. Bien sûr, vous pouvez aussi accéder à l'épisode 1, hein, vous regardez sur le Tipeee les différentes contreparties pour accéder aux vidéos si vous en avez l'envie, bien entendu. Un gros merci au Modo hein, ce soir, hein, c'est pas forcément des sujets faciles, donc Jaya. J'ai vu Miyun, j'ai vu Le Liange qui était là ce soir, Mégalithique qui était là aussi, je suis désolé si j'oublie quelqu'un, je pense pas ce soir. Enfin en tout cas, un grand merci à vous pour votre temps, pour votre présence, votre patience parfois pour gérer les commentaires. Et puis un grand merci aussi à tous les auditeurs, j'espère que vous avez passé un bon moment, une bonne soirée. Dernier point, outre l'Academia qui sort donc dans deux semaines, c'est-à-dire à toute fin, le 24 avril, donc pour l'Academia, la semaine prochaine, vous allez avoir une vidéo assez longue, format 40 minutes, format documentaire, où nous allons aborder un personnage bien connu de l'occultisme, et peut-être que vous allez trouver qui c'est, mais je ne vous dirai pas ce soir. On va laisser un tout petit peu de surprise, je vous laisserai réfléchir à qui potentiellement pourrait être le personnage, homme, femme, couple, duquel je vais parler. Allez, sur ce, une très bonne soirée à tous, portez-vous bien, le meilleur pour vous et pour vos proches. Quelles que soient vos croyances, sachez que je les respecte, je les considère. Je ne suis pas forcément d'accord avec vos croyances, ce qui n'empêche pas que ce n'est pas parce qu'on a des désaccords qu'on ne peut pas communiquer, partager, échanger et se respecter dans la bienveillance. Et ce que j'attends, évidemment, dans les commentaires sous la vidéo après diffusion. Sur ce, je ne vous embête pas. Un grand merci, des bisous et à très bientôt.